Donc bonjour à tous, je suis le docteur Sophia Rivera, je suis oncologue radiothérapeute ici à Gustave Roussy, en charge du service A de radiothérapie dans lequel on s'occupe de la sénologie, de la neurologie, de la pédiatrie, des essais thérapeutiques de phase 1, c'est-à-dire des nouvelles molécules en association à la radiothérapie. Et je m'occupe à la fois d'aspects cliniques, donc de prise en charge des patients, mais aussi d'aspects précliniques, donc de développement de nouvelles stratégies pour améliorer à la fois la qualité et l'efficacité de la radiothérapie sur les tissus à risque, donc les tissus tumoraux ou l'endroit où se trouvait la tumeur au départ, mais aussi sur les tissus sains, c'est-à-dire sur tous les tissus non tumoraux qui sont autour de ce qu'était la tumeur et que l'on veut protéger. Et donc l'objectif de ça, c'est d'augmenter l'efficacité de la radiothérapie et de réduire autant que possible la toxicité de la radiothérapie, puisque oui, la radiothérapie peut avoir des toxicités et que c'est le prix globalement à payer pour avoir l'efficacité. C'est un petit peu comme tous les traitements. À partir du moment où on a un traitement qui est efficace, et bien malheureusement, bien souvent, il y a aussi des effets secondaires. Et en fait, ce qu'il va falloir voir, c'est la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire quels sont les risques encourus pour quels bénéfices. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir décider d'un traitement. Et ça, c'est vrai pour la chimio, pour l'hormono, pour la radiothérapie. Et aujourd'hui, ben, je pense que vous le savez toutes, cette décision, elle est ce qu'on appelle une décision médicale partagée avec le patient. Et bien sûr, on est là pour donner les connaissances actuelles et conseiller les traitements qui, en tant que médecin et en tant qu'équipe médicale et paramédicale, nous paraissent les meilleurs traitements à proposer dans telle ou telle situation. Mais cette décision de traitement, finalement, elle incombe pas que aux médecins, elle incombe aussi aux patients. Et aujourd'hui, ben, vous savez bien qu'il est impensable de donner un traitement à quelqu'un si ce quelqu'un refuse de prendre le traitement. Donc la décision, elle va se prendre avec vous. Simplement, pour que la décision puisse être prise de manière optimale, eh ben, il faut avoir toutes les informations sur ce que le traitement peut apporter comme bénéfice, comme réduction du risque de récidive, comme chance de guérison, et aussi ce que le traitement peut apporter comme risque d'effet secondaire et à quelle fréquence, et du coup de pouvoir mettre ça en balance. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en quoi la radiothérapie est utile dans le traitement des cancers du sein et quels sont les risques de toxicité de cette radiothérapie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la radiothérapie, donc le traitement par les rayons, c'est un traitement qui est réalisé grâce à une équipe complète en radiothérapie. Donc il y a l'oncologue radiothérapeute qui est le médecin, qui est à la fois, en tout cas en France, oncologue, donc spécialiste du traitement des cancers, et radiothérapeute, donc qui prescrit des rayons. Il y a les physiciens médicaux, donc Guillaume Ozac, qui est un de nos collègues physiciens médicaux référent pour tout ce qui est sénologie, qui vous expliquera en fait quel est le rôle du physicien et à quel niveau il intervient dans la préparation du traitement de radiothérapie, qui est bien souvent une partie qu'on n'a pas du tout en tête et dont on discute, qu'on n'a pas en tête comme patient et dont on discute assez peu finalement dans le temps de la consultation qui est assez limité. Et puis, le traitement, il va être délivré, réalisé par les manipulateurs radio et Gaëlle Mével, qui est une de nos collègues manipulatrices en électroradiologie, fait partie donc de l'équipe qui délivre le traitement, qui réellement réalise la séance au poste de traitement et qui est aussi impliquée dans la préparation du traitement, puisqu'on va le voir, avant tout traitement de radiothérapie, il y a une préparation à faire avec un scanner, parce que la radiothérapie, avant toute chose, et ça c'est peut-être le premier message clé à retenir, c'est que c'est un traitement qui est complètement personnalisé. Parce qu'on a toutes des seins de taille différente, on a toutes une morphologie différente, il y a des grandes, des petites, des plus minces, des plus grosses. Et donc, le traitement de radiothérapie va s'adapter à la forme de ce qu'on veut traiter. Et donc, cette forme, elle est différente chez chaque patient. Et donc, aujourd'hui, tous les traitements de radiothérapie sont définis individuellement. Et c'est exactement tout ce process qu'on va voir. Et c'est pour ça que c'est quand même assez long de préparer un traitement de radiothérapie. C'est que ce n'est pas parce que vous faites 50 kg que vous avez le droit à 50 mg. Non. Vraiment, ce qui compte, c'est toute la morphologie et pas juste le poids ou la taille ou une partie des informations qui nous caractérisent. Alors, allons-y. Donc, avant toute chose, on a voulu vous présenter un petit rappel parce que c'est important de savoir viennent ces rayons pour comprendre comment ils ont été utilisés, comment ils ont été développés. Et donc nos rayons X, puisque le plus souvent on traite avec des photons X, on les doit à ce monsieur, William Röntgen, qui un bon soir de novembre 1896, dans son laboratoire, a mis au point un tube à rayons X, un tube à partir duquel il arrivait à produire ces rayons X. Et pourquoi il les a appelés X? Parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Donc il a dit
on va les appeler X. Il était très excité par sa découverte, puisqu'il s'était aperçu qu'en fait, avec ses rayons, il arrivait à traverser la matière et à faire une image sur une plaque photographique de ce qu'il avait traversé, alors qu'il ne voyait pas à travers. Et donc, tout excité et courageux comme beaucoup d'hommes, désolé Guillaume, il a dit « Chérie, chérie, viens voir, j'ai trouvé quelque chose de merveilleux. » Il a appelé sa femme, il a dit « Mets ta main là, tu vas voir, je vais voir à travers ta main. » Et la main de la dame, qui était quand même recouverte de peau, a été immédiatement mise en image sur une plaque photographique. Vous voyez l'alliance de Madame Röntgen. Et donc, comme il ne savait pas trop ce que c'était comme rayon, il l'a testé sur la main de sa femme. Donc, pendant longtemps, on a dit « Oh, il n'est pas très... » En réalité, on a touché aussi de sa main à lui. Donc, il avait aussi à regarder sa propre main. On ne va pas non plus jeter la pierre à ce monsieur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, novembre 1896, en fait, en quelques mois, on a les premières publications sur l'utilisation, non pas radiologique pour visualiser, mais radiothérapie, donc de traitement de cancer. Et ça, c'est un Français, c'est Despeigne, qui était basé à Lyon, à qui on avait présenté un patient qui vomissait du sang, avait une énorme masse épigastrique et qui souffrait beaucoup. Et il n'y avait plus de traitement possible pour ce patient. Et Despeigne a dit, mais attendez, les rayons X là, de Röntgen, ils pourraient avoir peut-être un effet là-dessus. De toute façon, on n'a pas grand-chose à perdre, malheureusement. Et voilà, il a demandé au patient s'il était d'accord pour être traité par les rayons. Et le patient a dit oui. Et en fait, en quelques jours, ils ont vu, et c'est très bien décrit dans la littérature, la masse diminuer de volume, les saignements s'arrêter, et le patient qui allait nettement mieux. Et donc, à l'époque, on pensait que c'était un cancer de l'estomac. Aujourd'hui, on sait que les cancers de l'estomac sont aussi radiosensibles que ça, et qu'en quelques jours, un cancer de l'estomac n'aurait probablement pas répondu aussi vite. Mais en fait, il s'agissait d'un lymphome, et les lymphomes sont des tumeurs très radiosensibles. Et donc, effectivement, en quelques jours, la tumeur avait vraiment diminué et le patient était réellement soulagé. Ça, c'est le premier exemple de radiosensibilité, donc de sensibilité aux rayons, et d'utilisation de la radiothérapie pour le traitement des cancers. En fait, il a été très vite démontré que différents types de tissus avaient une sensibilité différente. Et que finalement, plus les cellules proliféraient vite, plus elles étaient sensibles aux rayons. Et donc, quand les rayons traversent différents tissus, la peau, en l'occurrence la tumeur qui était dans l'estomac de ce patient, eh bien, les tissus ne sont pas sensibles de la même manière. C'est-à-dire que les cellules de lymphome qui se multiplient très vite, elles sont très sensibles aux rayons, alors que les cellules de la peau qui se multiplient quand même plus doucement sont moins sensibles. Et donc, on avait une toxicité, un effet des rayons plus fort sur la tumeur que sur la peau. Donc oui, la peau avait rougi, mais la tumeur, elle, avait réellement fondu. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet différentiel. C'est-à-dire qu'il y a une différence d'effet entre les cellules tumorales qui se multiplient très vite et les cellules saines qui se multiplient plus doucement. Et en fait, c'est grâce à cet effet différentiel qu'on a réussi à développer les traitements de radiothérapie, parce que ça veut dire que pour une même dose donnée, on va avoir une toxicité, une agressivité sur les cellules cancéreuses qui va être supérieure à l'agressivité qu'on a sur les tissus sains. Donc oui, il va y avoir des effets secondaires, mais ces effets secondaires, ils sont moins forts sur les tissus sains que sur la tumeur. Et donc, à force de faire des séances, on va autoriser les tissus sains à réparer petit à petit, alors que la tumeur, elle ne va pas arriver à réparer. Et donc, on va arriver à se débarrasser des cellules cancéreuses sans se débarrasser des tissus sains. Voilà. Alors, il se passe un peu la même chose en sénologie, parce que même si on a retiré la tumeur dans la plupart des cas, eh bien... il reste un tissu à risque, c'est-à-dire qu'au voisinage de la tumeur qui a été retirée, on va d'abord regarder s'il y a des marges de sécurité suffisantes autour de la tumeur, c'est-à-dire si la tumeur a été enlevée en totalité ou si éventuellement il peut rester des cellules au bord. Quand il reste des cellules au bord, on essaye de refaire une chirurgie pour enlever d'éventuelles cellules résiduelles, qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas. Et même quand il n'y a plus de cellules tumorales, eh bien on sait que à partir du moment où il y a des cellules normales du sein qui ont dégénéré en cellules cancéreuses, les cellules avoisinantes sont un peu plus à risque que n'importe quelle autre cellule de sein de la planète de voir réapparaître un cancer. Et donc, on va faire de la radiothérapie préventive sur cette zone dans laquelle il n'y a plus de cellules cancéreuses, mais où il y a des cellules saines qui pourraient un jour vouloir récidiver en cellules cancéreuses pour réduire ce risque de récidive. Et pourquoi ? Parce que ces cellules qui pourraient vouloir devenir des cellules cancéreuses, elles présentent des anomalies qui font qu'elles sont capables de se transformer en cellules cancéreuses. Et en fait, la radiothérapie, elle va être plus efficace sur ces cellules qui présentent des anomalies que sur les cellules saines. Et donc, c'est pour ça que oui, on peut avoir des effets secondaires sur les cellules saines, mais par contre, on a un effet mortel
sur les cellules cancéreuses ou qui pourraient devenir cancéreuses et qui présentent ces anomalies. D'accord ? Voilà pour expliquer un peu la base de la radiothérapie. Alors, concrètement, comment ça agit la radiothérapie ? Eh bien, en fait, on envoie un faisceau de rayons, en l'occurrence des rayons X le plus souvent, qui vont traverser la matière. Les rayons, c'est quoi ? C'est de l'énergie, c'est des joules par kilo. Les joules par kilo, c'est une énergie déposée dans le kilo de matière. On est tous globalement un sac d'eau, parce qu'on est tous à 80% composés d'eau. L'eau, c'est quoi ? C'est H2O. Et en fait, quand on va déposer cette énergie dans la matière, eh bien, on va arracher des électrons au niveau de l'oxygène de la molécule d'eau. Et on va créer ce qu'on appelle des radicaux libres, c'est-à-dire des espèces chimiques qui sont hautement réactives, qui vont interagir avec nos cellules, et notamment avec l'ADN de nos cellules. Et les cellules cancéreuses, c'est les cellules qui se multiplient très vite. Donc elles ont leur ADN qui est en permanence en train de se dupliquer et de se dédoubler. Et donc le fait d'induire, de déposer de l'énergie et d'arriver avec nos radicaux libres sur cet ADN fait qu'on va fragiliser, qu'on va casser les brins d'ADN. Et une cellule qui a ses brins d'ADN cassés, soit elle arrive à réparer et elle survit, soit elle n'arrive pas à réparer et elle meurt. Et il se trouve que les cellules tumorales, en plus d'avoir la capacité de se multiplier rapidement, elles ont des déficits en enzymes de réparation, donc elles réparent moins bien. Donc le fait de cibler la région où se trouvent ces cellules et d'induire des cassures au niveau de l'ADN dans ces cellules, qui vont avoir plus de mal à réparer, font qu'on va arriver à mieux se débarrasser de ces cellules. Donc en fait, ça, c'est le mécanisme moléculaire d'action de la radiothérapie. D'accord ? Et ces joules par kilo, en fait, ce sont des grès. C'est pour ça qu'en radiothérapie, notre unité de mesure, c'est le grès. En chimiothérapie, on va parler de milligrammes ou de grammes de chimiothérapie. En radiothérapie, on va parler de grès. Et d'un certain nombre de grès par séance et d'un certain nombre de grès au total. Alors, il y a deux grands types de radiothérapie. Il y a la radiothérapie externe, c'est un appareil qui envoie un rayon sur la zone à traiter. Et puis, il y a la radiothérapie interne, qu'on appelle partout dans le monde brachythérapie, sauf dans les pays francophones, où on appelle ça la curithérapie, en hommage à Marie Curie, puisque c'est elle qui avait initié, en fait, ce type de traitement en prenant une source radioactive et en la plaçant au contact de la zone à traiter. Donc la curithérapie, elle est nettement moins utilisée que la radiothérapie externe, mais elle peut être utilisée en cancérologie mammaire, notamment pour faire une irradiation partielle du sein, irradier seulement une partie du sein, ou alors pour faire ce qu'on appelle un boost, c'est-à-dire un complément de dose sur le lit chirurgical, sur l'endroit où se trouvait la tumeur au départ. Et la radiothérapie externe est le plus souvent utilisée pour traiter la totalité du sein. Simplement, si on veut traiter la totalité du sein et qu'on envoie un rayonnement comme ça directement sur le sein, eh bien on va traverser avec notre rayon à la fois le cœur ou les poumons qui se trouvent derrière. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qui est exactement dessiné là. On va faire des faisceaux qui sont des faisceaux tangentiels qui vont venir traverser le sein et ressortir dans l'air. Et puis on va tourner la machine et faire un autre faisceau tangentiel qui va traverser le sein et ressortir dans l'air et qui n'ira pas traverser le cœur et les poumons pour réduire au maximum les risques de toxicité. Alors, toujours un petit peu d'histoire pour vous montrer que, heureusement, les choses évoluent quand même pas mal. Nos premières machines de radiothérapie, les fameuses bombes au cobalt. À l'époque, vous voyez qu'on avait un énorme container là plombé dans lequel il y avait une source radioactive. Ici, une petite fenêtre qui s'ouvrait et qui se fermait pour laisser sortir le rayon. Et ici, une petite chaise pour installer le patient face au rayonnement. Et donc, globalement, le patient se retrouvait en face de la machine et on tirait sur le patient droit devant et on traversait tous les tissus sains. Alors ça pose plein de soucis et aujourd'hui il n'y a plus de machine de radiothérapie en France avec une source radioactive à l'intérieur. Vous imaginez bien qu'une source radioactive là-dedans, si on se la fait piquer par un terroriste ou quoi, voilà. Hein ? Donc aujourd'hui il n'y a plus du tout de source radioactive, mais il nous a fallu un petit peu de temps pour nous débarrasser de ça et puis pour comprendre qu'on pouvait faire plus intelligent. Alors ça, c'est dans les années 50, il me semble, et donc on avait bien sûr le médecin qui était un homme, la manipulatrice qui était une femme. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a quand même des manipulateurs hommes et des médecins femmes également. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on avait déjà compris pas mal de choses par rapport à la première machine que je vous ai montrée. Là, il y a la source radioactive qui est dans la tête de l'appareil, mais et on a toujours ce système de fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme pour laisser sortir le rayonnement et l'envoyer sur la patiente. Mais on a la manipulatrice qui était capable de tourner la manivelle pour faire tourner la machine. L'idée, c'était de faire non pas un faisceau qui traversait directement le patient, mais plusieurs faisceaux. Et la somme des faisceaux qui confluent sur l'endroit à traiter. Ce qui veut dire que, comme on a plusieurs faisceaux, eh bien chacun des faisceaux n'apporte qu'une partie de la dose. Et qu'on a la somme des doses sur la zone que l'on veut traiter, mais sur les tissus sains autour, on n'a qu'une partie de la dose. Donc on diminue la dose au tissu sain,
et on a la somme des doses qui conflue sur la zone qu'on veut traiter. L'avantage, c'est d'avoir moins de doses sur les tissus sains. L'inconvénient, c'est que si on bouge, on tape à côté. Et donc, vous voyez déjà le système de contention qui était développé à l'époque ici pour que le patient soit bien toujours dans la même position sur la table. Parce que si un jour il est comme ça, un jour il est comme ça, et que le faisceau il est prévu pour arriver là, ben un jour il tire à côté, un jour il tire de l'autre côté. Donc c'est vraiment important de bien définir la position. Et finalement, ça c'est un principe qui est resté vrai et qu'on utilise toujours. Aujourd'hui, l'un des points les plus importants en radiothérapie, c'est de définir la position dans laquelle on va faire le traitement. Parce que cette position, on devra la respecter pendant toutes les séances. On a toujours des appareils qui tournent autour, simplement maintenant c'est automatisé, on n'a plus besoin de la manivelle. On a toujours le patient qui peut être installé. Alors aujourd'hui on a des tables, et vous voyez peut-être qu'il y a un petit soufflet sous la table, donc la table elle peut monter et descendre, et vous voyez qu'il y a un cercle au sol, donc la table elle peut tourner aussi. Donc en fait on a beaucoup plus de degrés de liberté pour faire beaucoup plus de faisceaux que ce qu'on pouvait faire avec les machines anciennes. Et surtout, oui. Alors la question c'est, parce qu'on m'a demandé de répéter les questions, est-ce que en cas de modification corporelle, prise de poids, perte de poids, les mesures qui sont prises initialement et la position qui est définie initialement restent la même? Eh bien pas forcément. En fait, si les gens ont une modification, alors ça peut être un amaigrissement. C'est assez rare de perdre vraiment beaucoup de poids pendant la radiothérapie, parce que la durée totale de la radiothérapie, elle est sur quelques semaines, elle n'est pas sur plusieurs mois. Donc effectivement, c'est quand même assez rare d'avoir une très grosse perte de poids, encore que ça dépend des pathologies. Par exemple, pour des cancers ORL, on peut avoir des grosses pertes de poids parce que les gens n'arrivent plus à s'alimenter. En sénologie, c'est quand même beaucoup plus rare. Mais ce qu'on peut avoir en sénologie de manière pas si rare, c'est un lymphœdème, c'est-à-dire qu'après l'intervention, on peut avoir du liquide lymphatique qui s'accumule sous le bras, le sein, et ça peut gonfler cette région-là et modifier les choses par rapport au scanner initial. Et donc à ce moment-là, oui, on peut être amené à refaire le scanner initial, parce que ce qui compte, c'est vraiment cette position. Donc peu importe si ça prend du temps de définir cette position, parce que c'est fondamental pour la qualité du traitement de radiothérapie. Et donc c'est vrai qu'on s'angoisse un petit peu à se dire « Oh là 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 là, mais je ne vais pas commencer, on me retarde encore ma radiothérapie, etc. » Mais il faut bien voir que ce qui compte, c'est d'avoir une radiothérapie de bonne qualité, adaptée, qui traite tout le volume qu'on veut traiter. Ça ne sert à rien de ne traiter qu'une partie du volume qu'on veut traiter. Donc peu importe s'il faut recommencer la planification, si ça fait des heures de travail pour le physicien, des heures de travail pour les médecins qui contournent, des heures de travail de calcul, etc. L'important, c'est qu'au final, le traitement délivré soit adapté. Et si jamais il y a des changements en cours de radiothérapie, ce qui peut arriver parfois, eh bien à ce moment-là, on peut être amené soit à interrompre la radiothérapie, soit à anticiper ces modifications et à refaire un scanner en cours de radiothérapie et à réajuster. C'est même ce qu'on appelle la radiothérapie adaptive ou adaptative. Et c'est vraiment un champ de développement important de la radiothérapie. Alors, pas tant que ça en sénologie, mais par exemple, en cancérologie pulmonaire, on peut avoir des tumeurs qui sont très volumineuses initialement et puis qui vont diminuer pendant le traitement. Et donc, on a une surveillance, on va en parler, en cours de radiothérapie, qui fait que si on détecte ces modifications-là, on peut être amené à refaire un scanner et à modifier le plan de radiothérapie en cours de route. Ça, c'est une question importante et qui revient souvent, celle du délai entre la chirurgie et le début de la radiothérapie. Alors, il y a des délais théoriques, qui sont les délais qu'on a d'après les informations qui viennent d'essais thérapeutiques, dans lesquels on a enregistré le délai entre la chirurgie et le début de la radiothérapie. On a suivi les femmes, bien souvent au-delà de 10 ans, enregistré les gens qui récidivaient et essayé de chercher quels étaient les facteurs qui favorisaient la récidive. Et donc, à partir de ces études, on a déterminé des durées moyennes qui nous ont permis de faire des recommandations
pour essayer de définir dans quel délai il fallait proposer la radiothérapie. Et donc, ce qui ressort de ces études, c'est que globalement, pour un cancer infiltrant, le délai théorique après la chirurgie est de 6 à 8 semaines. Que pour un carcinome in situ, le délai il peut être plus long, de l'ordre de 12 semaines. Mais ça, c'est des délais moyens. Et bien évidemment, aucune d'entre nous n'est une moyenne. Donc, ce qui compte avant tout, c'est comment les gens ont cicatrisé. Parce qu'en réalité, si on fait la radiothérapie alors que la plaie, la cicatrice n'est pas encore fermée, eh bien la radiothérapie qui va créer des phénomènes inflammatoires va faire que la cicatrice va se réouvrir. Et à ce moment-là, on va être obligé d'interrompre la radiothérapie parce qu'on risque des infections qui éventuellement peuvent être graves, éventuellement peuvent nécessiter une hospitalisation, une réintervention chirurgicale, etc. Donc il est fondamental de ne pas commencer la radiothérapie tant que la cicatrisation n'est pas suffisante, voire même parfaite. Ça ne nous empêche éventuellement pas de commencer à planifier la radiothérapie, mais en revanche, on ne doit pas la débuter tant que la cicatrisation n'est pas satisfaisante. Et ça, peu importe le délai. Parce que sinon, c'est exactement comme ce qu'on disait tout à l'heure, si coûte que coûte, on continue une radiothérapie qui n'est pas adaptée, eh bien à ce moment-là, on va se retrouver avec une toxicité, une infection, une ouverture de la plaie qui va faire qu'on va être obligé de l'arrêter, et cette fois-ci définitivement, et en plein milieu, là où ce n'est pas du tout adéquat. Donc il vaut mieux reporter une radiothérapie et pouvoir la faire en totalité et la faire de manière adaptée, plutôt que de la démarrer trop tôt et de devoir l'interrompre en plein milieu et de devoir faire deux demi-radiothérapies avec une reprise chirurgicale au milieu ou que sais-je. Donc il y a le délai théorique et il y a le délai pratique, parce que les gens, c'est des individus uniques et pas des statistiques. Voilà. Exactement. C'est ça. C'est ça. La question, c'est celle du bénéfice-risque. Il y a une notion théorique, statistique, qui nous aide en fait à établir nos plans de traitement. Et ensuite, on s'adapte à la situation de chacun. Voilà. Oui, bien sûr. Ah, avec la chimie. Oui. Alors, la question, c'est quel est le délai entre la chimiothérapie et la radiothérapie ? Quand on a eu la chirurgie d'abord, de la chimio, et qu'ensuite on va envisager la radiothérapie. Alors, en général, pendant la chimio, on a largement eu le temps de cicatriser. Donc le problème n'est plus tellement celui de la cicatrisation, sauf s'il y a eu un abcès. Bon, ça, c'est des situations un petit peu particulières. Mais le plus souvent, on n'a plus de problème de cicatrisation. Le problème qu'on a, c'est éventuellement celui d'une aplasie, avec une baisse de globules importante qui n'aurait pas encore eu le temps de remonter. Et le deuxième, mais ça, en général, en 15 jours, 3 semaines, c'est réglé. Le deuxième problème qu'on a, c'est celui de certaines drogues de chimiothérapie qui sont radiosensibilisantes et qui peuvent augmenter la toxicité de la radiothérapie sans nécessairement augmenter son efficacité. Donc en fait, il y a certaines chimios qui ne sont pas compatibles avec les rayons parce qu'on risquerait d'avoir une toxicité trop importante. C'est le cas par exemple du Taxotér, qu'on utilise quasiment plus ou beaucoup moins. C'est le cas du Gemzar, qui n'est pas forcément une chimiothérapie très utilisée, en tout cas en adjuvant en scénologie. Mais ça n'est pas le cas du Taxol, par exemple. Voilà. Donc en fait, en fonction du type de chimiothérapie que les gens ont, on a des délais différents. Globalement et en moyenne, à partir de 4 semaines après la chimiothérapie, on est relativement tranquille pour démarrer la radiothérapie. Selon le type de chimiothérapie, ponctuellement, il peut y avoir besoin d'un peu plus. Ponctuellement, on peut se permettre un peu moins. Voilà. Mais le délai standard, le plus fréquent, c'est 4 semaines. Voilà. Et bon, voilà, ça peut varier. Il y a certains protocoles dans lesquels on peut même faire la radiothérapie juste après le Taxol ou dans une semaine après le Taxol. Il y a d'autres protocoles où on va plutôt attendre 6 semaines parce que bah, soit c'est des gens qui ont fait plusieurs aplasies au cours de leur chimiothérapie, soit simplement pour un temps de récupération. Voilà. Donc c'est de cet ordre-là, en tout cas. Et à nouveau, c'est à adapter à chacun. C'est-à-dire que la chimiothérapie, bah, tout le monde ne la supporte pas de la même façon. Il y a des gens qui vont être complètement KO et puis d'autres qui vont arriver quand même à tenir. Et donc peut-être que bah, pour certains, il y a besoin d'un petit peu plus de repos ou pas, ou qu'il y a certains examens complémentaires qui vont être nécessaires parce qu'on est dans une situation particulière, qu'il va falloir refaire tel ou tel examen. Et à ce moment-là, ça peut modifier un petit peu les délais. Et puis pareil, la discussion, elle peut être un peu différente en fonction de si on est en adjuvant
ou si on est dans une situation métastatique. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait la radiothérapie en préventif ou est-ce qu'on fait la radiothérapie pour traiter une maladie qui est en place ? Et là, les délais peuvent être un petit peu différents aussi. Voilà. Mais globalement, on retient à peu près 4 semaines. Il y avait une autre question. Eh bien, ça, on va y venir parce que c'est tout l'objet du topo. En fait, les choses ont pas mal changé. La question, c'est quel est le nombre de séances recommandées ? Eh bien, si c'était aussi simple et si on pouvait dire « ting, c'est le nombre de séances pour tout le monde », on aurait beaucoup moins de travail. Et surtout, on n'aurait pas beaucoup travaillé par le passé parce qu'effectivement, historiquement, le nombre de séances était le même pour tout le monde. Mais les choses ont beaucoup changé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les cancers du sein, c'est pas le cancer du sein, mais c'est les cancers du sein et que vraiment, on a des types différents, des profils différents, une agressivité différente, qu'il n'y a pas seulement le profil de la tumeur qui compte, mais il y a aussi le profil de la patiente. Et qu'en fonction de ça, on va avoir des sensibilités différentes aux rayons et qu'on va pouvoir proposer plus ou moins de séances avec des doses plus ou moins fortes par séance. Et on va y venir. Alors, je continue. Voilà. Globalement, aujourd'hui, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que là, on n'a plus de source radioactive. Aujourd'hui, nos appareils de radiothérapie à l'intérieur, ils ressemblent à ça. En fait, hop, cette partie ici, c'est ce qu'on appelle une section accélératrice qu'on va retrouver sur le petit schéma ici. Et en fait, il y a un champ électromagnétique qui est créé, qui nous permet d'accélérer des... Un petit peu comme dans les vieilles télés à tube cathodique, hein, vous vous souvenez, il y avait un grand, c'était profond dans nos vieilles télés, et donc il y avait un tube cathodique qui accélérait des électrons, qui faisait que les électrons percutaient l'écran et ça nous faisait les couleurs de l'image. Là, c'est un peu pareil. On a une section accélératrice dans laquelle on accélère des électrons qui viennent percuter ici une cible en carbone, et le fait de percuter cette cible va permettre d'arracher des photons et des électrons, et c'est ces photons X qu'on va utiliser pour faire le faisceau. On va collimater, donc ici on a une petite mâchoire, un peu la fenêtre que je vous avais montrée au départ, mais qui maintenant est beaucoup plus astucieuse, parce que cette fenêtre, au lieu de s'ouvrir et se fermer simplement, elle va avoir plusieurs lames qui vont pouvoir s'ouvrir et se fermer séparément pour définir la forme du faisceau en fonction de la forme de ce qu'on veut traiter, et pas juste un faisceau qui sort tout droit. Et donc ce faisceau, on va pouvoir le diriger sur la zone à traiter, chez le patient, qui sera allongé ici sous la table. Donc on n'a plus de source radioactive. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'histoire des terroristes, mais enfin, c'est aussi tout à fait valable pour les patients comme pour le personnel. C'est-à-dire que si pour une raison quelconque la machine se coince avec les fenêtres ouvertes, quand la source radioactive était dedans, eh ben, ça pouvait être très dangereux pour tout le monde, puisqu'il fallait aller chercher le patient qui allait éventuellement irradier une autre partie de son corps, la main du manipulateur qui allait chercher le patient, etc. La femme de ménage qui passe dans la salle. Enfin voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de source radioactive, le courant est coupé, il n'y a plus rien de radioactif dans la salle. Voilà. Non, il y avait une question. Alors, voilà un autre exemple de machine qu'on a aujourd'hui. Ma question, c'est est-ce que lorsqu'on passe une mammographie, c'est une source radioactive ? Alors non. Quand on passe une mammographie, c'est aussi un tube à rayon X qui est utilisé dans l'appareil de mammographie. Simplement, c'est un tube à rayon X qui produit des photons X qui ne sont pas de la même énergie que ce qu'on utilise pour la radiothérapie. On utilise des énergies plus élevées pour la radiothérapie que pour la mammographie. Mais c'est le même principe de production en fait du faisceau. Et alors aujourd'hui, on a même des machines encore plus sophistiquées, comme par exemple la tomothérapie, qui est à la fois une machine qui ressemble à un scanner, je ne sais pas si vous avez déjà passé un scanner, mais globalement c'est un anneau qui ressemble à ça, dans lequel il y a effectivement une machine de scanner, mais où il y a en plus un accélérateur linéaire qui nous permet de produire ce faisceau de rayon X. Et donc, on va pouvoir combiner à la fois le fait de faire une image et le fait de traiter le patient. Tout ça combiné au fait que la table va pouvoir avancer dans l'anneau. Et donc, comme vous le voyez sur les flèches rouges, traiter de manière hélicoïdale le patient et donc pouvoir faire éventuellement des grands champs d'irradiation. Donc, ça s'applique à certaines situations, pas du tout à tous les patients. Mais on peut, comme ça, traiter des zones un peu complexe à traiter. Par exemple, on peut faire là-dessus, ça a été fait initialement par l'Institut Curie, des irradiations corporelles totales dans les greffes de moelle pour les enfants qui présentent des leucémies, par exemple. En sénologie, ça a pu être utilisé, et c'est utilisé, pour traiter des volumes, alors soit des grands volumes, par exemple, si on doit traiter les deux côtés, soit des anatomies un peu complexes, ce qu'on appelle le pectus excavatum, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont le sternum qui est un petit peu plus enfoncé. Et donc, du coup, quand on va vouloir traiter un sein, eh ben, on risque de traiter aussi l'autre sein parce que l'anatomie fait qu'on est un petit peu creusé ou qu'on a les seins un petit peu plus bombants. Et donc, ce type de machine va nous permettre de tourner autour et d'éviter l'autre sein.
ce qui n'est pas forcément nécessaire chez tout le monde, parce que l'anatomie, elle est différente d'une patiente à l'autre. Et parfois, quand on a aussi une atteinte ganglionnaire, ben, ça fait des volumes qui sont un petit peu complexes à traiter, avec des formes un petit peu complexes. Et donc, pour arriver à mieux épouser la forme de la zone à traiter et épargner les tissus sains, ben, on peut avoir besoin de technique. Et là, ça rejoint la question qu'on avait tout à l'heure sur le délai entre la chimio ou la chirurgie et la radiothérapie. Et bien, si en faisant le scanner du patient, on s'aperçoit qu'il y a une forme complexe qui justifie de faire une technique un petit peu différente, et bien à ce moment-là, il faut prendre le temps de faire la technique optimale pour ce patient. Et donc, on peut être amené soit à refaire le scanner, soit avec le même scanner, à refaire toute la dosimétrie pour opter pour la technique qui est la plus adéquate pour chaque patient. Donc, notre plateau technique ici à Gustave Roussy est assez extraordinaire. On a la chance d'avoir eu beaucoup d'investissements ces dernières années, alors de la part de l'établissement, mais aussi de la part des patients, puisqu'en fait, on a certaines machines qui ont été achetées grâce à des dons et legs de patients ou de mécènes. C'est le cas notamment d'une des deux tomothérapies, donc la machine que je viens de vous montrer. On en a deux dans le département et c'est vrai que l'établissement n'avait pas les moyens d'investir sur ces types de machines. C'est important d'avoir ces deux machines en miroir pour pouvoir passer d'une machine à l'autre en cas de difficulté technique et pour pouvoir assurer vraiment l'ensemble des traitements. Donc ça a été vraiment quelque chose d'une grande aide. En particulier, je vous le disais tout à l'heure, pour certaines tumeurs pédiatriques. Ensuite, on a deux autres accélérateurs linéaires qui s'appellent des Oncor. On a un accélérateur linéaire qui s'appelle le Novalis TX, qui permet de faire de la stéréotaxie, c'est-à-dire de traiter des toutes petites tumeurs avec une très haute précision. Et on a également un variant avec la possibilité de traiter avec certaines techniques, je vous montrerai tout à l'heure, d'inspiration bloquée. C'est-à-dire que dans certaines situations, on peut avoir des patients qui anatomiquement ont le cœur assez collé à la paroi. Et si on traite le côté gauche et que le cœur est collé à la paroi, eh bien le cœur vient vraiment se mettre au contact de la zone traitée et donc peut recevoir de la dose. S'il reçoit un petit peu de dose, ce n'est pas un problème. On a en fait des atlas de tolérance de dose, mais au-delà d'un certain seuil, ça peut poser des problèmes de toxicité. Et donc, à ce moment-là, on utilise ces techniques d'inspiration bloquée. C'est tout bête. En fait, vous verrez les photos tout à l'heure, hein, on met un spiromètre dans la bouche, on met des lunettes dans lesquelles il y a un petit écran, hein, et on va demander au patient d'inspirer, d'expirer, d'inspirer, d'expirer, d'inspirer et de bloquer. Pourquoi ? Parce que quand j'inspire, eh ben, j'éloigne mon sein de ma cage thoracique et donc de mon cœur. Et donc, ces gens qui ont une anatomie qui fait que le cœur est collé à la paroi, ce qui ne comme ça quand on se regarde, hein, et ce qui n'a pas de conséquence, je veux dire, c'est des gens qui marchent et courent normalement, hein. Eh bien, donc on le voit sur le scanner, mais on ne le savait pas forcément avant, eh bien, on s'aperçoit qu'en les faisant inspirer et bloquer l'inspiration, et si on irradie au moment où on bloque l'inspiration, eh bien, on va avoir une position qui va être beaucoup plus favorable, puisque comme ça, on va moins donner de dose au cœur. Donc voilà. C'est une machine qui nous permet de faire ça. On a aussi le CyberKnife, qui est donc le robot de radiothérapie. Je vous montrerai des photos tout à l'heure, qui est utilisé pour des petites lésions, bien souvent pour traiter des petites métastases, y compris dans des endroits très, très à risque, comme par exemple certaines zones du cerveau. Et ça nous permet vraiment de faire des... Alors, Cyber, donc, c'est le robot. Knife, c'est le couteau. Et donc, ça nous permet de faire vraiment de la radiochirurgie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir délivrer de manière très précise, dans des petits volumes, des doses très forte, de façon à pulvériser la tumeur, un petit peu comme si on faisait de la chirurgie, c'est-à-dire qu'à la place, on va vraiment laisser un petit trou, comme si le chirurgien avait été enlevé la tumeur, mais sans ouvrir le patient. Et aujourd'hui, on a beaucoup, grâce à ce type de machine et à ce type de technique, changé le pronostic des cancers du sein, y compris en situation métastatique, où on arrive à éradiquer complètement certaines métastases qu'on n'était pas capable d'éradiquer par le passé. Donc c'est vraiment un gros progrès technologique. Et puis, on a les trois Versa qui sont arrivés plus récemment, qui sont aussi des accélérateurs linéaires, qui ont un système d'imagerie embarqué. C'est-à-dire qu'un petit peu comme pour la tomothérapie, je vous disais, il y a un scanner qui tourne en même temps, qui nous permet de faire une image. Et bien là, le Versa, il a des bras qui s'articulent autour et qui vont tourner et nous permettre de faire une image également du patient pour vérifier le positionnement du patient en temps réel. Alors aujourd'hui, la plupart des machines sont capables de faire cette imagerie en temps réel. Mais en fait, selon les machines, on va avoir des modalités d'imagerie un petit peu différentes. Et selon la région qu'on veut traiter, ben, on peut avoir besoin de tel ou tel type d'imagerie et telle ou telle fréquence d'imagerie.
Alors voilà le plan du département. Globalement, quand on arrive chez nous, on arrive par où ? Attendez, on arrive par là, voilà. Ça, c'est les ascenseurs C, les ascenseurs D. Touc, 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 on rentre à l'accueil de radiothérapie. On a des petites portes vitrées, un bureau d'accueil. Et puis, on arrive dans la partie du département dans laquelle il y a là des salles de consultation qui font face au scanner, puisque finalement, ça va être le scanner, la première étape du traitement où on va définir la position dans laquelle on va faire la radiothérapie. Puis, une fois que le patient a passé le scanner, hop, il rentre chez lui. Et nous, c'est là que tout le travail commence. On va contourer la tumeur et tout ce qu'on veut protéger, ou la région à traiter et tout ce qu'on veut protéger. Une fois qu'on a contouré, bien défini cette zone-là, à ce moment-là, le dossier va passer en dosimétrie. On va faire le calcul de dose pour savoir comment on va délivrer cette dose, combien est délivré à la zone qu'on veut traiter et combien est délivré au tissu sain. Est-ce qu'on est dans des zones de tolérance ou est-ce qu'on dépasse ces zones de tolérance? Et à ce moment-là, est-ce qu'il faut réadapter la technique? Et puis, une fois que tout ça est validé à la fois par le physicien et par le médecin, mais on va revenir là-dessus, le patient revient pour être mis en place sous l'appareil de radiothérapie, alors que ce soit sur la Tomo, sur le Vega, sur le Novalis, enfin, quel que soit l'appareil. Et on fait ce qu'on appelle cette mise en place, c'est-à-dire une séance à blanc, où on va vérifier que le patient se place bien, comme le jour du scanner. Et on va faire une image pour vérifier qu'on est bien dans la même position et que la région qu'on veut traiter est bien la région qui sera traitée. Et une fois que ça s'est validé, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on pourra commencer la radiothérapie. Donc on va y revenir, mais vous allez voir qu'il y a plein d'étapes de préparation qui sont indispensables avant de pouvoir démarrer la radiothérapie. Et donc c'est vrai qu'on a un petit peu en tête, quand on ne connaît pas bien, que hop, on va en radiothérapie et que c'est comme pour la chimio, le premier jour on va en hôpital de jour, hop, ça commence et on a le produit qui coule, ben là c'est pas pareil. Quand on va en radiothérapie, ben, y a toute une consultation d'explication, ensuite il y a le scanner, il y a toute cette préparation, la mise en place avant de pouvoir commencer. Et tout ça, même si ça prend du temps, il faut bien avoir à l'esprit que c'est pas du temps de perdu, c'est vraiment du temps utile, c'est vraiment du temps qui est consacré au traitement. Et c'est tout aussi important, voire même plus important, que la réalisation des séances. Parce que si tout ça n'est pas optimisé, eh bien, le traitement n'est pas optimisé. J'avais une question. Justement, en parlant de temps, il faut à peu près combien de temps entre le moment où on passe le scanner et le moment où on va avoir le rendez-vous de mise en place pour démarrer les traitements? Eh oui. Alors, ben, ce temps, il est variable, parce qu'on est tous différents. Et comme je vous disais, celui qui a le cœur plus collé à la paroi, il va peut-être y avoir besoin d'une technique particulière. Celui qui est plutôt courbé, plutôt ceci, plutôt cela, il va peut-être avoir besoin de telle ou telle autre technique. Et puis, ça ne s'identifie pas forcément du premier coup. Donc, on peut tout à fait partir sur une technique et puis s'apercevoir que ça ne rentre pas bien dans les contraintes et devoir refaire une autre technique avant de pouvoir démarrer. Donc, je dirais que pour quelque chose, pour un circuit moyen, on va dire, pour avoir un ordre d'idée, un petit peu comme on disait tout à l'heure pour la chimio, il faut compter globalement pour une technique standard quelque chose comme 8 à 10 jours. Sachant que dans les situations très très urgentes, par exemple une métastase qui comprime, on risque une paralysie, eh bien à ce moment-là, il y a des techniques d'urgence qui sont peut-être un petit peu moins précises, mais l'urgence de la situation le justifie. Et à ce moment-là, effectivement, en 48 heures, parfois même 24, on peut arriver à traiter des lésions comme ça. Pour un traitement, je dirais, avec un objectif de guérison, quelque chose où on a besoin d'une précision plus importante, où l'urgence, elle est moins immédiate, eh bien, ça va être important de pouvoir optimiser les techniques. Et de ce fait, effectivement, un délai de 8-10 jours peut être nécessaire. Et parfois, eh bien, on a vraiment une anatomie complexe, on a vraiment besoin de planifier, parfois besoin de faire un scanner, et on repart pour une boucle. Ça peut à nouveau être 8-10 jours supplémentaires. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des durées assez variables. Oui. Et bien ça, c'est fondamental et on va en parler. En fait, c'est le rôle de toute l'équipe. Vous allez voir qu'il y a déjà les manipulateurs qui placent le patient avec un certain nombre de repères qui nous permettent de vérifier qu'on est dans la bonne position, qu'il y a des images de contrôle qui, selon les cas, sont faites soit toutes les semaines, soit tous les jours, en tout cas nécessairement avant de débuter le traitement pour être sûr qu'on lance un traitement de manière adaptée sur la bonne zone, que ces images, elles nous permettent de vérifier ça, que ça, c'est les contrôles pour le patient,
mais qu'il y a aussi des contrôles pour la machine, parce que quand bien même on vise au bon endroit, il faut être sûr que la machine, elle délivre bien la dose qu'on lui demande de délivrer. Donc ça, il y a des contrôles quotidiens qui sont faits. On va parler aussi des contrôles sur les fantômes. On a des espèces de faux patients qui nous servent en fait à mesurer la dose. Donc on place des détecteurs grâce auxquels on mesure en fait la dose délivrée. On s'assure que ça correspond bien à ce qu'on veut délivrer aux patients. Ouais. Donc il y a énormément de contrôles, on va y venir. Alors, une question, dites-moi. Oui. Alors, il y a des raisons derrière tout ça. Ce n'est pas juste qu'ils n'ont pas voulu faire le scanner. Donc la question, c'est quand il y a un lymphœdème, finalement, comment on gère les choses? Quand il y a un lymphœdème, eh ben, il y a différents niveaux de lymphœdème. Le lymphœdème, il peut être plus ou moins gênant. Et quand il y a un lymphœdème important, ben, ça peut faire mal, ça peut être gênant au passage du bras, etc. Donc on peut être contraint de le ponctionner. Le problème, c'est que quand on le ponctionne, on modifie le volume. On modifie le volume parce qu'on réduit, on pompe de la lymphe, donc on va dégonfler, mais que cette lymphe, elle risque de se reconstituer, donc on risque de regonfler. Et donc le tout, c'est de trouver la position qui soit la plus reproductible possible. Et puis de tenir compte de la variabilité possible. Donc, ce qu'on fait, c'est que le plus souvent, on recommande de faire le scanner sans ponction, parce que comme ça, le liquide lymphatique, il fait un petit peu contre-pression, et il évite que le lymphœdème se majore. Et puis, si on le ponctionne complètement et qu'on fait le scanner à ce moment-là, et qu'ensuite, petit à petit, il se reconstitue, eh ben, on n'est pas forcément dans la bonne position. Donc, on préfère, à la limite, qu'il y ait de la lymphe qui soit là. On fait le scanner et comme ça, ça fait contre-pression et on sait que ce sera à peu près toujours un peu gonflé, oui, mais à peu près pareil. Alors que si on dégonfle complètement, on est bien souvent plus embêté. C'est ça. Et le problème, c'est que le patient, il est souvent gêné par le lymphœdème. C'est pas juste pour nous embêter qu'il veut se faire ponctionner. Eh oui. Ouais. Donc, en fait, on est plutôt moins embêté quand la lymphe est présente, enfin, quand il y a un lymphœdème et qu'il a tendance à se reconstituer. On préfère laisser la lymphe là où elle est pour avoir quelque chose de plus reproductible que de dégonfler, que ça se regonfle et qu'on redégonfle. Et voilà. Alors après, tout est gérable. C'est-à-dire que si on a dégonflé, eh ben, on peut aussi reponctionner à plusieurs reprises. Le problème, c'est que si on reponctionne à plusieurs reprises, on risque quand même des infections et on risque d'entretenir le système qui fait qu'il y a un épanchement lymphatique qui se constitue. Voilà. Donc effectivement, on essaye de ponctionner le moins possible. De rien. Alors, donc pour les différentes étapes de la radiothérapie, eh bien, la première étape, on vient de le voir, c'est la consultation, où on va expliquer les raisons pour lesquelles on propose de faire la radiothérapie, comment va se dérouler la radiothérapie, quels sont les effets secondaires, et se mettre d'accord avec le patient sur le fait de faire la radiothérapie, parfois même sur la date, mais on n'a pas toujours la date dès la consultation. Cette consultation, bah, selon les cas, elle va durer plus ou moins longtemps. Et donc, du coup, on n'a pas forcément, un, on n'est pas forcément dans l'état d'esprit qui nous permet de tout entendre et tout emmagasiner. Deux, bah, le médecin, il n'a pas forcément, des fois, le temps de tout expliquer. Et donc, il ne faut pas hésiter à venir avec vos questions notées de façon à pouvoir poser toutes les questions à la consultation. Et si éventuellement, il n'y a pas eu le temps d'y répondre ou de répondre à toutes, et bah, de savoir ce qui reste comme question à élucider. Et puis pareil, moi, mon conseil, c'est autant que possible, mais ce n'est pas toujours possible, hein, c'est la vie, de venir à deux à la consultation, parce que ça permet d'enregistrer un petit peu mieux les choses, parce que des fois, bon, on est un peu sous le choc, et puis il y a une information qui va paraître prépondérante et qui va nous occuper l'esprit pendant toute la consultation, et quand on est accompagné de quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément la même info qui reste fixée. Donc, quand on a la possibilité, bah, c'est pas mal. Mais enfin, sinon, de toute façon, vous allez voir qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs consultations et qu'on répète les choses. Et que s'il y a des choses qui soit n'ont pas été dites, soit ne sont pas claires, il ne faut pas hésiter à redemander. Donc une fois qu'on a fait la consultation, on va être convoqué pour un scanner de simulation ou scanner dosimétrique. Et c'est là qu'on va définir la position dans laquelle on va être traité. Et ça, tout à l'heure, Gaëlle va le réexpliquer complètement en détail.
Ensuite, on va passer à l'étape de contourage, où là, les médecins vont dessiner coupe par coupe sur le scanner la zone qu'on veut traiter et toutes les zones qu'on veut protéger. Et une fois que tous ces dessins sont faits, alors pareil, ce qui, selon la taille du bonhomme, selon la complexité de l'anatomie, bah, peut prendre une heure comme peut prendre trois jours, eh bien, le dossier va passer en dosimétrie et le traitement va être calculé, c'est-à-dire qu'on va, et ça c'est Guillaume qui va vous l'expliquer, comment on va placer les faisceaux d'irradiation pour traiter la zone qu'on souhaite traiter et épargner au mieux ce qu'on veut protéger. Et une fois que ce traitement est calculé, à ce moment-là, il va être validé par un médecin et par un physicien. Donc à chaque fois, il y a une vérification en fait par plusieurs personnes du dossier, donc c'est réellement toute une équipe qui travaille. Le patient va être reconvoqué pour la mise en place ou pour la séance à blanc sur l'appareil de traitement, replacé exactement comme lors de la première séance, et on va faire des clichés. Vous voyez ce petit système qu'on appelle un imageur portal qui se déploie ici sous l'appareil, et donc on va envoyer un faisceau, alors avec moins de doses que le faisceau de traitement, comme un faisceau pour une radio, qui va nous permettre de visualiser à la peau avec un champ lumineux la zone traitée. Donc comme ça, on va pouvoir s'assurer qu'on est bien placé, c'est pour répondre à la question de tout à l'heure, et en faire une image pour être sûr que non seulement on est bien placé à la peau, mais que ce qui traverse le patient traverse bien la zone que l'on souhaite traiter. Et ça, on le voit sur la radio. Et on va pouvoir comparer cette radio avec l'image du scanner et donc vérifier que ce qu'on a planifié, c'est bien ce qu'on va délivrer. Et à partir de là, une fois que ça c'est validé, on va pouvoir démarrer le traitement avec tous les jours la même position et des contrôles réguliers. Alors, la consultation avant la radiothérapie, elle sert, je vous ai raconté, c'est-à-dire, elle sert à évaluer l'état du patient, à vérifier que ce qu'on a proposé en réunion de concertation pluridisciplinaire, d'un point de vue théorique, en l'absence du patient, eh bien, c'est bien applicable au patient le jour où il vient à sa consultation. Et puis de valider ou d'évaluer des besoins spécifiques de la kinésithérapie, par exemple, si on n'arrive pas bien à lever le bras et qu'il faut lever le bras pour trouver la bonne position au scanner ou sous la machine. Ça peut être de discuter ou pas d'une ponction de liquide lymphatique. Ça peut être aussi d'évaluer des problèmes de transport, de gens qui habitent loin, un besoin d'hôtelisation, un besoin d'hébergement, des soucis psychologiques, financiers, d'arrêt de travail, de ceci, de cela. Voilà. Et puis, ça permet de valider l'indication, de vérifier que la cicatrisation est bonne et qu'on peut démarrer dans les délais prévus ou à prévoir, et puis d'expliquer comment ça va se passer et qu'est-ce qu'il y a comme effet secondaire. Alors, si maintenant, on a fait cette consultation et qu'on s'est mis d'accord sur le traitement qu'on va réaliser, on va prescrire son traitement et on va pouvoir définir les contours de ce traitement et voir s'il s'agit globalement d'une des deux grandes indications de la radiothérapie. Est-ce que c'est un traitement curateur ou est-ce que c'est un traitement palliatif? Parce que la radiothérapie, elle est le plus souvent utilisée, ou plus de la moitié des cas, utilisée dans des traitements curatifs, c'est-à-dire pour éradiquer la tumeur ou en préventif quand il n'y a plus de tumeur, mais elle peut être aussi utilisée en palliatif. Alors en palliatif, ça peut être utilisé pour soulager la douleur, pour décomprimer, c'est-à-dire pour réduire la masse tumorale qui appuie sur quelque chose, ou à visée hémostatique, c'est-à-dire pour arrêter des saignements, comme je vous disais par exemple ce patient avec sa tumeur de l'estomac historiquement. Et le plus souvent, on l'utilise à visée curatrice, c'est-à-dire pour soit éradiquer la maladie, c'est ce qu'on fait par exemple dans le rectum ou dans la prostate, où parfois on utilise de la radiothérapie seule, parfois associée à de la chirurgie, et dans le sein, où le plus souvent, en fait, la radiothérapie, elle est faite après la chirurgie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tumeur en place, mais on sait que c'est un tissu qui est à risque de récidive et que de faire la radiothérapie, ça réduit le risque de récidive et en plus, ça sauve des vies, puisque certaines de ces récidives peuvent être mortelles, pas toutes, heureusement. Alors, dans le cancer du sein, qu'est-ce qu'on a comme traitement? Eh bien, on a la chirurgie, qui peut être soit une chirurgie de mastectomie totale, c'est-à-dire qu'on retire la totalité du sein, soit une chirurgie conservatrice, une tumorectomie. Et ça, ça va dépendre essentiellement de la taille de la tumeur, mais aussi de la taille du sein. C'est-à-dire qu'une tumeur d'un volume tout à fait limité de 3 cm, eh bien, dans un sein qui est du sang E, ça ne pose aucun problème de conserver le sein. Si par contre c'est un 80A, eh bien, la tumeur de 3 cm, elle va nous obliger à enlever tout le sein. Donc ce qui compte, ce n'est pas juste la taille de la tumeur, c'est aussi la taille du sein. Et en fonction de ça, on va choisir la chirurgie qui sera la plus adaptée, parce que ce qui compte avant tout, c'est de retirer la totalité de la maladie avec des bonnes marges de sécurité. Et donc si c'est nécessaire de faire une mastectomie, eh bien on fait une mastectomie.
Sauf que ça, c'était un raisonnement binaire jusque dans les années 80, fin des années 80, et que là, on a eu des résultats dans la fin des années 80 d'études extraordinaires qui ont montré qu'en fait, dans un bon nombre de cas, la mastectomie est égale à la tumorectomie. Comment on fait ça ? Eh bien, simplement en inversant la séquence de chimiothérapie. C'est-à-dire que quand la taille de la tumeur est trop grosse pour pouvoir faire une tumorectomie et obtenir un résultat esthétique satisfaisant, parce que oui, on a bien envie de garder le sein, mais si c'est pour garder un tout petit bout de sein et qu'on a retiré les trois quarts parce qu'on a retiré la tumeur, ça va laisser un petit truc tout moche et ça ne sert à rien. À ce moment-là, autant faire une mastectomie et faire une jolie reconstruction. Donc, ce qui a été montré dans la fin des années 80, c'est que en faisant la chimiothérapie avant de faire la chirurgie, en néoadjuvant, on pouvait, dans certains cas, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais dans certains cas, réduire la taille de la tumeur et faire qu'en opérant après la chimio, eh bien, on arrive à conserver le sein. Donc, ce qui a été très intéressant dans ces essais, c'est que pour la première fois, on a montré que de faire la chimio avant ou après la chirurgie, c'était tout aussi efficace. Simplement, dans un certain nombre de cas, ça permettait de conserver le sein. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en particulier quand c'est des tumeurs dont on se dit « Ah, ça va être difficile de faire une chirurgie conservatrice », eh bien, à ce moment-là, on préfère faire la chimio avant pour se donner de plus grandes chances de conserver le sein. Il y a des situations où, de toute façon, on sait qu'on devra retirer tout le sein, en particulier quand la tumeur est inflammatoire, c'est-à-dire quand il y a une atteinte de la peau initialement. Et donc là, ça ne sert à rien de faire la chimio. Enfin, peu importe qu'on fasse la chimio avant ou après, de toute façon, on sait qu'on fera la mastectomie. Voilà. Donc, encore une fois, tout va dépendre du stade et c'est vraiment une discussion individuelle en fonction du cas de chacun. Pour les ganglions, là aussi, il y a eu beaucoup de progrès. Historiquement, pour toutes les femmes, on faisait le curage axillaire, on retirait tous les ganglions. Et on a eu des essais dans les années 90, fin des années 90, qui ont montré qu'en fait, on pouvait faire ce qu'on appelle la technique du ganglion sentinelle, celui qui monte la garde. Et en fait, ça a été démontré parce qu'il a été mis en évidence le fait que les cellules des tumeurs du sein se drainent en passant par des ganglions au niveau axillaire. Et qu'il y a un relais ganglionnaire, qui est le premier relais ganglionnaire, par lequel les cellules doivent passer pour aller ailleurs. Et que si on identifie ce premier relais ganglionnaire et qu'on prélève ce premier relais ganglionnaire, et que dans ce premier relais ganglionnaire qu'on appelle le sentinelle, il n'y a pas de cellules cancéreuses, on est sûr qu'il n'y en a pas dans les autres. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire tout le curage. Et donc, quand la tumeur fait moins de 5 cm, il n'y a pas eu d'antécédent de chirurgie ou de choses qui modifient le drainage axillaire, eh bien on peut faire le ganglion sentinelle, voir si ce ganglion n'est pas atteint. S'il n'est pas atteint, on s'arrête là, on n'a pas besoin de faire le curage. S'il est atteint, à ce moment-là, il faut vérifier qu'on enlève la totalité, donc il faut faire le curage axillaire. Voilà. Donc là aussi, ça a permis de réduire la lourdeur de la chirurgie dans un grand nombre de cas. Pour la radiothérapie, donc la radiothérapie... Oui. Ah, ça c'est une bonne question. La question c'est combien on a de ganglions ? Eh bien, je ne sais pas. Vous n'avez pas le même nombre de ganglions que moi, et je n'ai probablement pas le même nombre de ganglions ici qu'ici, et encore moins ici qu'ici. Des ganglions, on en a un petit peu partout dans l'organisme. Ouais. Et d'un bras à l'autre... vous pouvez avoir un nombre de ganglions différents. Et d'une personne à l'autre, vous pouvez avoir un nombre de ganglions différents. Et d'un moment à l'autre, enfin d'une année sur l'autre, par exemple, vous pouvez avoir des ganglions différents. Donc il n'y a pas de nombre fixe. On sait qu'un curage ganglionnaire est considéré comme complet au-delà d'un nombre de ganglions qui va de 7 à 10. On considère que si on a retiré 7 à 10 ganglions, on a fait un curage complet. Maintenant, il y a des femmes qui vont avoir 20, 25 ganglions, d'autres qui vont en avoir 12, et ça n'a aucune valeur pronostique. Ce qui compte, c'est combien il y a de ganglions atteints par rapport au nombre de ganglions totaux. Mais le fait d'avoir beaucoup ou pas beaucoup de ganglions, c'est comme le fait d'être grande ou d'être petite. Ça n'a aucune espèce de caractère de gravité ou d'incidence. On est toutes différentes, on a un nombre de ganglions qui est tout différent. Et chaque bras a un nombre de ganglions différent. Donc on ne peut pas dire combien il y a de ganglions dans un curage avant de l'avoir fait. Et quand on retire le curage, en fait, le chirurgien il enlève tout le paquet cellulo-graisseux qui se trouve sous le bras. Et dans ce paquet, on va couper... coupe par coupe, sous le microscope, en anatomopathologie, pour aller rechercher les ganglions dans la graisse qui se trouve sous le bras qu'on a retiré. Les ganglions, on va les colorer, on va les mesurer, on va regarder s'il y a des cellules cancéreuses dedans, ou si c'est des ganglions normaux, parce qu'on a aussi des ganglions normaux, bien évidemment. Voilà. Donc, ça dépend des patientes. Alors, je dirais quasiment oui. En fait, soit on n'a pas la possibilité de faire le ganglion sentinelle.
parce que d'emblée, bah, c'est une tumeur volumineuse et qu'on sait que le ganglion sentinelle, il ne va pas être très pertinent. Ou parce qu'on a déjà eu une chirurgie sur le sein et qu'à ce moment-là, le ganglion sentinelle, il n'est pas fiable. Ou parce qu'on a déjà eu un problème de drainage axillaire et qu'à ce moment-là, le ganglion sentinelle, il n'est pas fiable. Donc alors, on est obligé de faire tout le curage d'emblée. Et on ne sait pas si le ganglion sentinelle, il était... Après, on a la possibilité aussi qu'il y ait un échec de la technique du ganglion sentinelle, auquel cas on fait tout le curage. Et puis, si jamais on a un ganglion sentinelle qui est négatif, là par contre, on sait que le risque d'atteinte du reste du curage est très 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 faible, et donc que ça ne se justifie pas de faire le reste du curage. Donc s'il est négatif, on ne fait pas le reste du curage, s'il est positif, on fait le reste du curage. Ah oui! Et oui, parce que comme c'est le premier relais ganglionnaire, quand il est atteint, on sait qu'il y a un risque, les autres soient atteints, un risque. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont, ils ont pu s'arrêter juste là. Mais tant qu'on ne va pas vérifier, on ne sait pas s'ils sont allés au-delà. Donc on est obligé de retirer. Et puis, bah, ma foi, s'il n'y a rien dans le reste, on se dit, on l'a enlevé pour rien, mais au moins on sait. Voilà. C'est comme quand on enlève une tumeur et que la marge, elle est un petit peu juste. Alors on se dit, il faut reprendre, parce qu'on ne sait pas s'il reste des cellules cancéreuses ou pas dans le reste du sein. Alors on refait une chirurgie. Alors quand cette chirurgie, on la refait, on enlève juste une petite collerette et qu'il n'y a rien, ben on se dit mince, on a réopéré pour rien, mais on ne pouvait pas le savoir avant, on était bien obligé de le faire parce que sinon on aurait pu courir le risque d'en laisser. Et c'est vrai que quand on reprend la chirurgie et qu'au lieu de retirer une collerette parce que le sein n'est pas très volumineux ou pour je ne sais quelle raison, on est obligé d'enlever tout le sein et qu'on ne voit pas de cellules cancéreuses dans le reste du sein et qu'on a retiré tout le sein, c'est bien dur. Mais en attendant, on ne peut pas le savoir autrement que ça. Donc il y a des situations où malheureusement, on est obligé de faire une reprise chirurgicale qui peut paraître pour rien, mais en fait qui apporte l'information. Oui. Ah, ça c'est une bonne question. Ça peut se faire avant, après non. Ça peut se faire avant, il y a même des protocoles. Non, en principe, ça ne se fait pas après la tumorectomie. C'est assez rare, parce qu'en fait, la tumorectomie, elle peut modifier le drainage. Donc le plus souvent, on commence par injecter le produit du ganglion sentinelle, en général la veille de l'intervention. Le matin ou au moment de l'intervention, on commence par détecter le ganglion sentinelle avec une petite sonde pendant que le patient dort. On retire le ganglion sentinelle, on envoie en anapath, on fait la tumorectomie. Entre temps, on a la réponse de l'anapath qui nous dit le ganglion sentinelle il est envahi ou pas, et donc on fait le reste du curage ou pas. Après, il peut y avoir des situations où on retire le ganglion sentinelle tout seul, sans faire la tumorectomie, on fait la chimiothérapie et après on va faire la tumorectomie. Alors les situations où c'est l'inverse et où on fait le ganglion sentinelle après, c'est plus rare. Mais on pourra en discuter, voir pourquoi ça avait été fait comme ça chez vous. Ah, voilà. Donc c'est parce que initialement ça devait être de l'in situ. C'est ça, d'accord. Donc effectivement, quand on a une tumeur qui est une tumeur in situ, c'est-à-dire qui n'a pas franchi la membrane basale, il n'y a théoriquement pas de risque que les cellules elles aillent s'étendre vers le ganglion, puisqu'elles sont encapsulées par la membrane basale. Maintenant, ce qu'on voit sur une biopsie, c'est juste qu'on a prélevé. Donc c'est une partie de la tumeur. Et quand on retire toute la tumeur, parfois on s'aperçoit qu'il y a un endroit, qui n'était pas l'endroit de la biopsie, mais à côté, il y a un petit contingent qui est déjà infiltrant. Et donc à ce moment-là, a posteriori, on a cette information-là. Donc c'est a posteriori qu'on fait le ganglion sentinelle. Oui. Oui, une autre question. Oui. Sur les ganglions, qu'est-ce que c'est que les fractions capsulaires? En fait, le ganglion, c'est une petite structure, souvent un peu ovale, comme un petit sac, qui contient des lymphocytes. On a tous déjà palpé des ganglions dans le cou quand on a, par exemple, les dents une rage de dents. Voilà. Eh bien, c'est cette petite structure qui contient des lymphocytes qui peut être envahie par des cellules cancéreuses. Cette petite structure, elle est alimentée par les vaisseaux lymphatiques. Et quand il y a des cellules cancéreuses qui arrivent par les vaisseaux lymphatiques dans le ganglion, les cellules cancéreuses, elles vont proliférer dans le ganglion. Et en proliférant, elles peuvent soit migrer à nouveau par des vaisseaux lymphatiques, soit migrer par des vaisseaux sanguins, soit rester dans le ganglion, soit pousser dans le ganglion. Et quand elles prolifèrent dans le ganglion, elles peuvent être au centre du ganglion ou elles peuvent être près de la capsule, près de l'enveloppe du ganglion. Et quand elles sont près de l'enveloppe, ou quand elles ont envahi largement le ganglion, eh bien, elles peuvent infiltrer la capsule, franchir la capsule, rompre la capsule du ganglion, c'est-à-dire rompre l'enveloppe du ganglion. Voilà, c'est ça une rupture capsulaire. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'elles peuvent s'étendre au ganglion voisin. Voilà. Donc c'est pour ça, quand il y a une rupture capsulaire,
Il peut être important de faire le curage axillaire pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres cellules cancéreuses à côté, qu'elles ne se soient pas échappées par la capsule. Voilà. Donc ça peut justifier le curage. Ouais. Continue. Ah, la radiothérapie. La radiothérapie, c'est donc un traitement qui est systématique après tumorectomie. Dès qu'il y a un cancer du sein infiltrant ou un carcinome canalaire in situ, à partir du moment où on a retiré que la tumeur et qu'on a laissé le reste du sein en place, on sait que les autres cellules du sein, elles sont un peu plus à risque que n'importe quelle autre cellule de sein de la planète, y compris le sein de l'autre côté, de voir des cellules se transformer en cellules cancéreuses. Et donc le fait de faire la radiothérapie réduit ce risque. Ça a été très clairement démontré à la fois aux États-Unis, en Europe, sur plusieurs dizaines de milliers de patientes. Plus de 22 essais randomisés, donc où les patientes ont été tirées au sort, donc il n'y a pas de biais, il n'y a pas de sélection des patientes, c'est vraiment robuste scientifiquement. Et ça a montré que non seulement on réduisait le risque de récidive, mais qu'on améliorait la survie. Donc c'est fondamental, en cas de traitement conservateur, de faire la radiothérapie. Après mastectomie, donc, quand on a fait un traitement non conservateur, on a retiré tout le sein, là, tout va dépendre de la taille de la tumeur et du fait qu'il y ait ou pas une atteinte ganglionnaire, et éventuellement de facteurs pronostiques secondaires. Donc autant, dès qu'il y a une tumorectomie, on sait qu'il y aura de la radiothérapie, autant après une mastectomie, eh ben, ça dépend des situations. Mais la question qu'on peut se poser après mastectomie, c'est qu'il n'y a plus de sein. Oui. Donc en termes de surface à traiter, qu'est-ce qu'on traite ? Effectivement. Alors, même s'il n'y a plus de sein, on sait que dans certaines situations, il y a un risque de récidive à l'endroit où se trouve la cicatrice de mastectomie. Parce que, même si le chirurgien il a gratté et retiré tout le sein, il peut y avoir des cellules microscopiques qu'on est incapable de voir parce qu'on n'a pas des microscopes à la place des yeux, qui sont restées au contact et qui, un jour ou l'autre, peuvent dégénérer en cellules cancéreuses. On sait que ce risque il est très faible quand c'est une petite tumeur, quand il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire. C'est pour ça que, dans ces cas-là, on ne fait pas la radiothérapie après mastectomie. Mais en revanche, quand la tumeur est grosse, quand il y a une atteinte ganglionnaire, le risque qu'il y ait une microcellule qui soit restée quelque part est plus important. Et là, ça justifie de faire la radiothérapie en cas de mastectomie. Ça n'a pas l'air clair, si ? Alors voilà. Et donc, justement, quand il y a une atteinte ganglionnaire, et ben là, il y a une indication à faire la radiothérapie, qui est ou pas une rupture capsulaire. Parce qu'on sait que les cellules, elles ont été en transit, elles ont été dans le ganglion. Et donc, il peut y en avoir qui seraient capables de redégénérer par la suite. Donc, c'est important de faire ce traitement. Alors, en quoi ça consiste la radiothérapie ? Ça, c'est pour répondre à votre question. Historiquement, la radiothérapie du sein, c'était 50 grès en 25 fractions, plus ou moins un complément sur le lit chirurgical. Donc, 50 grès en 25 fractions, ça veut dire 25 séances, à raison d'une séance par jour, 5 jours par semaine. Donc, ça veut dire 5 semaines de traitement sur le sein en totalité. Et éventuellement, un complément, qu'on appelle le boost, sur le lit tumoral, c'est-à-dire à l'endroit où se trouvait la tumeur, dans le lit chirurgical, là où la tumeur a été retirée. On sait que c'est cet endroit-là qui est un peu plus à risque. Et donc, en cas de tumorectomie, on délivrait un complément de radiothérapie de 8 séances, donc une semaine et demie de traitement, en plus du traitement sur le sein en totalité. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a deux grands concepts qui ont changé les pratiques en radiothérapie. C'est l'hypofractionnement, c'est-à-dire la radiothérapie dans laquelle on donne un peu moins de séances, mais des doses un peu plus fortes par séance, ce qui fait qu'au total, biologiquement, c'est équivalent. Ce n'est pas moins fort ni plus fort, c'est équivalent. Mais simplement, on fait moins de séances avec des doses un petit peu plus fortes par séance. Et à ce moment-là, on fait en général 15 séances. Et ça, on va y revenir tout à l'heure, parce que je vais vous montrer les essais thérapeutiques qui ont permis de montrer ça. Mais c'est aujourd'hui le standard, en particulier chez les femmes de plus de 60 ans. Alors, en France, on a fixé l'âge à 60 ans. Il faut savoir qu'en Hollande et en Angleterre, l'âge, c'était 50 ans jusqu'à il y a 2-3 ans, et que maintenant, c'est 45 ans. Parce que plus on avance, plus on a des données chez les femmes jeunes, tout autant que chez les femmes ménopausées. Et puis, il y a un autre concept, qui est l'irradiation partielle accélérée, qui est une irradiation d'une partie seulement du sein, parce qu'on sait que dans certains types de tumeurs, il y a une lésion qui est très localisée, sans atteinte ganglionnaire, et qu'à ce moment-là, le risque de récidive, il est essentiellement là où se trouvait la tumeur au départ, et qu'on peut se contenter d'irradier seulement cette partie. Et ça, c'est des radiothérapies qui se font en 5 à 10 séances, donc sur 1 à 2 semaines. Parfois même, c'est des radiothérapies qui peuvent se faire
pendant l'intervention chirurgicale avec un appareil qui irradie au bloc opératoire le lit chirurgical. Et ça, c'est pour des situations très particulières. Vous avez peut-être vu se dépasser, notamment au journal de France 2, un appareil qui s'appelle l'intrabeam, qui permet, non, ça vous parle pas, qui permet de faire la radiothérapie, j'en toucherai peut-être un mot tout à l'heure, pendant l'intervention. Donc, pour répondre à votre question de tout à l'heure, historiquement, on faisait 5 à 6 semaines et demie pour tout le monde. Aujourd'hui, ça dépend vraiment de la situation, de l'âge du patient, du type de tumeur. Voilà. Alors, si maintenant on vient dans les différentes étapes plus concrètement, la première étape, c'est la simulation au scanner. Et donc, c'est Gaëlle qui est manipulatrice qui va expliquer, puisque c'est elle qui réalise cette étape-là, finalement. Bonjour. Donc, la première fois que vous allez venir dans notre service, après la consultation, ça sera donc au simulateur scanner. C'est un scanner, mais ce n'est pas un scanner où vous aurez un résultat. Ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas des images qui sont faites pour ça. Nous, c'est fait pour vous modéliser en trois dimensions pour pouvoir préparer le traitement. En fait, Gaëlle, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce n'est pas un scanner de contrôle. Non, ce n'est pas un scanner de contrôle, ce n'est pas un scanner... voilà, on ne cherche pas quelque chose. On veut juste vous modéliser pour qu'il y ait un traitement qui soit personnalisé. Voilà, on ne vous empêche pas de respirer, sauf dans certains cas particuliers. Donc, il y a du flou, mais ça, c'est fait exprès. On garde ces détails qu'on va essayer d'enlever en diagnostic, parce que nous, on en a besoin pour votre traitement. Vous continuez à respirer, vous continuez à avoir votre cœur qui bat, à déglutir. Donc, tout ça, on va le prendre en compte pendant notre examen. Donc, on va déterminer ce jour-là la position de traitement. C'est pour ça que lors de la consultation, on vous demande si vous avez besoin de kiné pour lever les bras, parce que c'est les bras en l'air, puisqu'on va traiter le sein. Donc, il faut dégager les bras par rapport à la poitrine pour pouvoir irradier le sein sans irradier les bras. Donc, on a besoin vraiment que vous puissiez lever sans douleur les bras avant d'arriver au scanner. Ça dure à peu près 20 minutes. Ça... voilà, on le fait tranquillement, Donc ça nous permet de repérer la zone à irradier et déterminer les organes à protéger. Donc on définit la position de traitement, c'est sur un plan incliné. On va essayer de trouver une position relativement confortable pour vous et reproductible pour nous. Les genoux sont relevés pour essayer de soulager le dos. Les bras sont relevés au-dessus de la tête pour effectivement dégager la poitrine. Et on va essayer d'avoir une position confortable et qui limite les mouvements pour que pendant l'irradiation, vous ne bougiez pas, parce que cette irradiation dure un certain temps quand même. Voilà, ça c'est la position actuelle qu'on utilise chez nous. Donc les jambes sont relevées, le plan incliné et les bras en l'air. On va vous décorer. On va mettre tout un tas de petits repères sur la peau, parce que c'est des zones qu'on a besoin de matérialiser, qui ne se voient pas à l'imagerie, mais dont on a besoin pour prendre nos mesures et déterminer les champs de traitement. Donc on a besoin de cercler toute la zone mammaire, toutes les cicatrices, le mamelon, certaines au niveau de la peau, pour avoir des repères après pour le traitement. Donc ce sont des petits films métalliques qu'on va coller. Et après, on les enlèvera. Vous allez passer, une fois qu'on aura fait ça, déterminer la position collée, on va faire le scanner en lui-même. C'est quelques allers-retours dans la machine. Et à la fin, si l'imagerie nous convient, si vous n'avez pas de problème particulier pour tenir la position, on va matérialiser cette position par 4 points de tatouage. Ça n'a rien à voir avec votre traitement. C'est votre position de traitement. C'est des points qui font 1 mm... près, qui sont noirs bleutés, qu'on voit beaucoup au début parce qu'ils sont tout neufs, mais qui vont s'estomper avec le temps. Et ça nous permet, nous, de nous repérer avec des lasers pour vous remettre exactement dans la même position à chaque séance. Vous l'avez normalement, ça permet, voilà, au début il y a une grosse tache et puis après il ne reste plus que le petit point au bout de 2-3 jours. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc ça fait, les images sont transférées au niveau de la console des médecins.
et ils vont travailler. Donc voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, une fois qu'on a bien défini cette position, on est en capacité de définir les volumes qu'on veut traiter, les volumes qu'on veut protéger. Les volumes qu'on veut traiter, c'est les cibles. Et pour ça, on a des définitions internationales qui déterminent ce qu'on appelle le CTV, donc le Clinical Target Volume en anglais, c'est-à-dire le volume cible anatomo-clinique. Et donc, coupe par coupe, sur le scanner, on va dessiner le sein de l'autre côté qu'on veut protéger, les aires ganglionnaires, le cœur, les poumons, la moelle, l'os. Et on va avoir nos fils de plomb là, qu'on a déposés sur la peau, ou nos fils radiotransparents qu'on a déposés sur la peau autour du sein, sur la cicatrice, qui vont nous aider justement à faire tous ces contourages. Donc le sein, ça a l'air tout bête, vous allez dire, mais alors pourquoi ces oncologues radiothérapeutes, ils nous prennent autant de jours entre le scanner et le moment où on fait le traitement? Parce que sur chaque coupe, il faut le dessiner, et que le sein, c'est pas le même d'une personne à l'autre. Le sein, c'est quoi? C'est la glande mammaire. C'est pas le muscle pectoral. Donc s'il n'y a pas d'envahissement du muscle pectoral, on arrête notre contour au bord du muscle pectoral et non pas dans le muscle pectoral. Le sein, ce n'est pas la peau. Donc s'il n'y a pas eu d'atteinte de la peau, eh bien, on va contourer sous la peau. Et le sein, c'est la glande mammaire qui est alimentée par les rameaux nourriciers mammaires, c'est-à-dire par les petits vaisseaux ici. Donc selon la morphologie de chacune, on peut avoir un sein plus étalé, plus recentré, plus glandulaire, plus graisseux. Et donc tout ça, ça fait que coupe par coupe, il va falloir regarder et identifier bien ce qu'est la partie qui est du sein et ce qu'est la partie qui est de la graisse un petit peu en arrière, ou éventuellement de la graisse un petit peu en avant et qui n'a pas besoin d'être traité. Vous voyez que le cœur aussi, on va le contourer coupe par coupe et qui peut être plus ou moins proche du sein. On va s'aider éventuellement des autres imageries, c'est-à-dire par exemple ici une IRM du sein, où on voit très bien les rameaux nourriciers mammaires. On va s'aider de l'échographie, de la mammographie, qui vont nous permettre de définir où se trouvait la tumeur au départ, puisque comme je vous l'ai dit, bien souvent, ce contourage, on le fait après la chirurgie. Donc il faut utiliser aussi ce qui s'est passé, enfin toutes les informations qu'on a d'avant la chirurgie pour bien définir où se trouvait la tumeur. On va utiliser aussi dans notre contourage, alors je crois que c'est visible sur l'une des coupes, peut-être pas là, si là, les petits clips que va nous mettre le chirurgien, c'est-à-dire qu'au moment où il va retirer la tumeur, il va mettre des petites agrafes, des sortes de petites agrafes, qui sont des agrafes qui sont faites pour rester, qui ne sonnent pas dans les détecteurs de métaux quand on passe à l'aéroport, qui ne posent aucun problème, qui ne bougent pas parce qu'elles sont ancrées. C'est comme des fils de suture, sauf que c'est métallique et c'est tout petit. Et ça, ça nous sert de repère parce que ça se voit très bien au scanner et donc ça va nous aider à contourer la zone que l'on souhaite contourer. Et pareil, quand il y a besoin, on va contourer les aires ganglionnaires en fonction des niveaux à traiter. Et coupe par coupe, on dessine les aires ganglionnaires ou le sein ou la paroi, enfin selon ce qu'on a besoin de contourer. Et coupe par coupe, on va dessiner tout le contour du patient, on va dessiner le cœur, on va dessiner les poumons, toutes les structures qu'on veut protéger. Et une fois qu'on a contouré tout ça et qu'on a validé ces contours, puisque ici on a un mode de fonctionnement où on va avoir plusieurs médecins qui travaillent sur le dossier avec toujours une validation qui est faite donc par le médecin senior référent, mais dans un deuxième temps, donc comme ça, ça permet de se critiquer les uns les autres et d'être sûr qu'on visualise bien les choses de la même façon, eh bien on va pouvoir démarrer la dosimétrie, donc le calcul de la dose, et ça c'est les physiciens et les dosimétristes qui le font. Pardon ? Ah oui ? En fait, on va définir le volume sur lequel on veut délivrer la dose. Et la dose, c'est finalement le traitement qu'on va réaliser. Donc, alors, elle change, puisqu'on a dit qu'on pouvait donner 50 grays en 25 fractions, qu'on pouvait donner 40 grays en 15 fractions. Donc, selon le type de tumeur, selon l'âge du patient, on va prescrire éventuellement une dose et un nombre de séances différents. Et donc, quand on fait notre prescription, on dit, sur le volume que j'ai dessiné, je veux telle dose. Physicien, débrouille-toi pour placer les faisceaux pour me donner la dose à cet endroit-là et pour ne pas dépasser telle dose sur les poumons, sur le cœur, sur les structures autour. Et c'est là qu'intervient le travail du physicien. Oui. Alors, est-ce que le calcul est plus simple si c'est le sein droit ? C'est pas tellement le fait que ce soit le sein droit ou le sein gauche. C'est l'anatomie de la personne. C'est-à-dire que un sein droit qui serait tout remonté avec un pectus creusé, eh bien, à ce moment-là, ça va être plus compliqué que un sein gauche qui serait plus étalé. Donc, ça dépend vraiment de la morphologie. Le sein gauche, il peut poser peut-être un petit peu plus de problèmes si le cœur, il est collé à la paroi. Donc, ça va dépendre. C'est plus la morphologie que vraiment le côté. Oui. Alors, dans l'hématome, il y a deux choses. Il y a éventuellement l'hématome qui n'est pas complètement résorbé.
Donc là, il faut quand même arriver à le juger. Si c'est un hématome très important, très volumineux, on peut être amené à attendre un petit peu que l'hématome dégonfle, parce que l'hématome peut s'accompagner d'un œdème, d'un gonflement, auquel cas on peut être un petit peu gêné. Si c'est simplement de l'hématome que la peau est un peu, enfin, est bleutée, mais que la plaie est fermée, ça ne nous pose pas de problème. Si c'est pas gonflé, il n'y a pas de souci. Deuxième point, il y a quelque chose qui est souvent confondu avec un hématome, qui est le bleu du ganglion sentinelle. Et le bleu du ganglion sentinelle, selon les femmes, c'est très bizarre, parce que le drainage, il se fait un peu différemment, il peut durer de quelques mois, à parfois même plus d'un an. Je crois même que je dois avoir des patientes qui, même au-delà de 3 ans, gardent encore la trace du bleu du ganglion sentinelle. Donc c'est très variable d'une personne à l'autre. Classiquement, c'est quelques mois, mais ça dépend. Et donc ce bleu du ganglion sentinelle, lui, ne nous pose aucun problème, bien sûr. Voilà. Je vous parlais de la dosimétrie. Donc la dosimétrie, c'est l'étape donc, qui est réalisée par le dosimétriste sous la responsabilité du physicien médical. Donc, pour faire simple, le physicien médical, donc métier très peu connu, on doit être 700 à peu près en France, c'est le pharmacien des rayons. Voilà, pour faire simple. Cette dosimétrie, elle est réalisée à partir du scanner de radiothérapie dont vous a parlé Gaël, et à partir des contours réalisés par les internes et validés par les médecins dont vous a parlé Sophia précédemment. Elle est basée sur la prescription faite par l'oncologue radiothérapeute. Donc on va simuler en 3 dimensions la balistique de traitement et on va calculer la distribution de doses dans le scanner. La deuxième étape, c'est l'utilisation de ce système de planification de traitement dans lequel les accélérateurs en fait, ont été modélisés. C'est-à-dire que quand une nouvelle machine arrive dans le service, on va faire une batterie de mesures pour pouvoir qualifier cette machine dans le logiciel. Et au cours de la vie de la machine, on va faire de multiples contrôles, puisque c'était la question tout à l'heure de je ne sais plus quelle dame. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les traitements par rapport à une personne vont aussi être en lien avec une machine, associés à une machine, ou est-ce qu'on peut changer de machine en fonction quand on vient pour faire sa séance de radiothérapie? Alors, ça va dépendre des machines et des morphologies, parce que certaines machines ont des énergies que d'autres n'ont pas. Si par exemple on a un sein plutôt volumineux, utiliser des énergies plus fortes pour pouvoir traverser en profondeur. Voilà, donc il y a un choix initial en fait en fonction de l'anatomie. Donc à partir du moment où on démarre un traitement sur une machine, finalement on va faire la totalité de son traitement avec cette machine? En principe, oui, mais il peut arriver qu'il y ait des pannes. Et on a ce qu'on appelle certaines machines qui sont jumelles sur lesquelles vous pouvez passer. Voilà. C'est-à-dire qu'elles sont complètement matchées. Elles sont semblables, enfin plus que semblables même, puisqu'on parle de machines jumelles. Et vous pouvez passer de l'une à l'autre. Et dans un cas où on n'aurait pas de machine jumelle, on va refaire l'étape de dosimétrie pour être sûr que vous ayez un traitement adapté. Voilà. Alors je vais être un petit peu embêtante, vous nous parlez d'une machine qui peut tomber en panne, alors qu'on parlait au départ de machines quand même assez performantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Le problème, c'est que ces machines, elles sont performantes, certes, mais c'est des technologies quand même très complexes. Donc les pannes, c'est quelque chose qui peut arriver de façon régulière. Il ne faut pas être étonné d'avoir une panne. Parce que dès qu'il y a un dysfonctionnement, la machine s'arrête et nous alerte justement qu'il y a un problème. Donc ensuite, il y a des interventions, il va y avoir un service biomédical qui va venir intervenir, réparer. Parfois, on va appeler le constructeur pour qu'il vienne sur site, faire des réparations. Et une fois que tout est fait, on contrôle toutes ces interventions-là. Donc, à nouveau, il y a le physicien médical qui vient et qui va faire une batterie de tests pour être sûr que tout ce qui a été fait est conforme. Moi, je compare souvent la radiothérapie à l'aviation et je parle des avions. Quand on a un avion qui a un problème, on va être sûr que le réacteur est réparé et vérifié correctement avant de monter dans l'avion à nouveau, pour être certain que tout va en bien fait, se passer. La panne, c'est un gage de garantie, finalement, c'est-à-dire qu'elle s'arrête dès exactement. Qu'il y a un dysfonctionnement. Oui, on a des alertes. Et ce n'est pas un mauvais gage d'appareil qui serait de mauvaise qualité. Exactement. En fait, il faut bien... La maintenance, si ça peut être. Oui. Alors après, il y a d'autres choses. La maintenance, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est prévu, en théorie, de façon régulière. Le constructeur va venir et va réaliser une série de tests, des nettoyages de certaines parties, voilà. Donc il y a des maintenances préventives pour éviter qu'il y ait des pannes, mais parfois la panne arrive et on est obligé d'appeler les constructeurs ou le service biomédical qui intervient. Alors il faut bien savoir que sous le terme de panne, pour faire simple, on regroupe quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire que tous les paramètres techniques de la machine, qu'ils impactent ou pas le traitement,
sont des paramètres qui, dès qu'il y a le moindre dysfonctionnement, arrêtent complètement l'appareil. Pour vous donner un exemple, la petite lampe qui est au-dessus de la porte qui signale le fait que l'irradiation est en cours, si l'ampoule grille, parce que c'est une ampoule toute simple, et donc de temps en temps il faut la changer, ça interrompt la totalité. Parce que c'est une chaîne de fonctionnement qui fait que on ne veut courir aucun risque, que ce soit pour le patient ou pour le personnel. Donc il faut que tous les paramètres qui signalent le fonctionnement et les modalités de fonctionnement de la machine soient opérationnels, sinon on ne traite pas. De la même façon, on a des systèmes informatiques de sécurité qui enregistrent les paramètres de dose délivrés. Même si la dose délivrée est correcte, si le paramètre qui enregistre tout ça et qui nous permet de vérifier pose problème parce qu'il y a une lenteur informatique, parce qu'il y a un défaut d'enregistrement, ça bloque complètement la machine. Et tant qu'on n'a pas fait intervenir les techniciens ou les ingénieurs responsables de ça, ça ne peut pas repartir. Et quand ça repart, à ce moment-là, il faut faire les contrôles par le physicien avant de traiter le premier patient. Donc quand il y a une interruption de la machine, ça peut très bien être quelque chose d'une heure ou deux, comme ça peut être quelque chose d'une journée, parfois même de plus. Et quoi qu'il en soit, il est hors de question de courir le moindre risque sur le traitement des patients. Et donc, il est hors de question de se dispenser de ces systèmes de contrôle. Et c'est exactement comme ce qu'on disait pour la préparation du traitement tout à l'heure. Finalement, oui, on peut voir ça comme quelque chose d'angoissant, de retarder un début de radiothérapie ou d'interrompre une radiothérapie. Mais on sait très bien, et ça, on a pas mal de données dans la littérature qui le montrent, que ce qui compte avant tout pour la réussite du traitement et pour les chances de guérison, c'est la qualité de la radiothérapie. Et que le fait qu'il y ait une interruption, pas pour s'amuser, mais parce qu'elle est nécessaire, fait qu'on arrive à avoir le traitement optimal. Et quand je dis pas pour s'amuser, c'est une façon de parler pour dire que, bien évidemment, il ne s'agit pas d'aller de son propre choix, pour des raisons organisationnelles ou personnelles, interrompre la radiothérapie, parce qu'on sait justement que du fait de nos contraintes techniques, il peut y avoir des interruptions. Donc autant se réserver cette marge en cas de nécessité, et si c'est nécessaire, accepter cette interruption. Hein, moi, si le patient a 40 de fièvre, s'il se casse la jambe, etc., s'il y a un problème technique, et ne pas se dire, ah ben tiens, puisque je sais que je peux un petit peu interrompre la radiothérapie, je vais me faire un grand week-end par-ci, je vais aller à tel endroit par-là et interrompre la radiothérapie en cours de route. Parce qu'à ce moment-là, on risque d'avoir un total d'interruption qui ne serait pas forcément raisonnable. Donc c'est pour ça qu'on tient un discours qui est parfois un petit peu simpliste, qui est de dire il faut 5 séances par semaine, il ne faut pas arrêter la radiothérapie, c'est comme ça. En réalité, ce qui compte, c'est d'avoir une radiothérapie optimale. On sait que les endroits où il n'y a pas eu ce type de contrôle extrêmement strict, il y a pu avoir des accidents de radiothérapie. Et il est hors de question de courir ce risque-là dans toute la mesure de ce qu'on peut maîtriser. Donc toutes les maintenances préventives, elles doivent être faites. Et dès qu'il y a besoin d'interrompre la machine et de faire tous les contrôles, ça doit être fait. J'avais le mari d'une patiente qui me racontait, c'était lors d'une des interventions de Léry, je ne sais pas si tu te souviens, qui avait dit, mais enfin, mesdames, c'est quand même assez simple. Moi, je travaille dans les voitures et je vais vous dire, alors moi, je n'y connais rien en voiture, je ne sais plus ce qu'il m'avait sorti comme modèle de voiture. Elle a un airbag hypersensible qui fonctionne super bien. Vous êtes sur l'autoroute, il y a un accident, boum, l'airbag, il sort, il vous sauve la vie. Vous êtes dans une deux chevaux, il n'y a pas d'airbag, vous avez le même accident sur l'autoroute, crac, vous y passez. Eh bien oui, l'airbag, c'est une technique supplémentaire dans la voiture, donc l'airbag, il peut être en panne. Donc l'airbag, il faut le réviser, il faut faire des maintenances, il y a un petit voyant qui peut s'allumer en disant que l'airbag ne fonctionne pas. À ce moment-là, bien évidemment, vous faites réparer votre airbag avant de prendre votre voiture, ou alors vous savez que vous courez un risque s'il y a un accident. Dans la deux chevaux, vous ne savez pas qu'il y a ça. Voilà. Eh bien la machine de radiothérapie, c'est pareil. Ce n'est pas une deux chevaux, c'est vraiment une voiture avec toutes les options, ultra technique, et donc bien sûr qu'il peut y avoir des voyants qui s'allument de temps en temps, mais au total, c'est pour une meilleure qualité de traitement, une meilleure sécurité. Et ça, c'est difficile à comprendre parce que, bien évidemment, quand on vous annonce que le traitement, il faut qu'il soit régulier, etc., on s'accroche à ça. Et c'est un peu la panique dès qu'il y a une panne, dès qu'il y a une maintenance. La salle d'attente de radiothérapie, elle se remplit de gens qui râlent, etc. Les manifs, parce qu'il faut qu'ils réorganisent tous les rendez-vous et parce que tous les patients viennent leur dire « Non, mais moi, j'ai mon taxi qui m'attend, il faut que j'y aille. Non, mais moi, demain, j'ai rendez-vous chez mon kiné, alors je peux pas venir à une autre heure. Non, vous me décalez, voilà. » Mais en attendant, c'est comme ça. Moi, il m'est arrivé une chose, c'est que dans la salle d'attente, il y a une personne qui était très pressée, et je lui dis, allez-y. Et alors, je me suis fait attraper, elle s'est fait attraper. Bref, mais je lui avais dit, donnez bien votre nom. Oui. Oui.
Alors ça, c'est un gros risque, effectivement. C'est très important. Est-ce qu'il y a un garde-fou? Oui. Il y a plusieurs garde-fous. Racontez-moi, parce que du coup... Vous vous sentez coupable. Donc, effectivement, l'identito-vigilance, c'est un point très, très important en radiothérapie. Et on sait que quand on appelle M. Durand, et ben, des fois, c'est M. Dupont qui peut venir parce que M. Dupont, il a cru entendre ou parce qu'il est pressé ou parce que plein de raisons. Voilà. Quelqu'un d'étranger qui n'a pas bien compris, quelqu'un d'âgé, enfin, peu importe. Moi, je dis, allez-y, moi, j'ai le temps. Ouais. Mais donnez votre nom. Mais oui, c'est très important. Alors, mais... on a plusieurs systèmes de sécurité. Et ça, ça dépend des établissements. Chacun choisit un peu ses systèmes de sécurité. Il y a des centres... je ne sais pas s'il faut les nommer, mais Lille, par exemple, où il y a un système d'empreinte digitale et où le patient il passe son doigt avant de rentrer dans la salle de radiothérapie. Alors bon, certains jugent que c'est un petit peu invasif. Voilà. Il y a d'autres centres où c'est le bracelet avec le code barre et où on passe le code barre. Des fois, on a un petit peu l'impression d'être au supermarché. Il y a d'autres centres qui ont décidé d'autres techniques. Vous savez que, par exemple, quand on fait une transfusion, parfois même quand on fait une chimiothérapie, on fait décliner aux gens l'identité. Et bien alors, en radiothérapie, nous, on est parti là-dessus. C'est-à-dire que quand les patients se présentent, ils doivent dire leur nom et leur prénom. Alors, moi, j'ai des patientes qui me disent, mais non, vos manips sont un petit peu limitées, parce que tous les jours, alors que je viens pour 25 séances, tous les jours, on me redemande mon nom et mon prénom, alors que voilà, je vois la même personne. Voilà, voir la date de naissance. Et donc, du coup, ben voilà, sachez que ça, c'est un moyen de vérification de l'identité. Ensuite, on demande aussi aux patientes, lors de la première, du premier rendez-vous en radiothérapie, s'ils acceptent, voilà, ou plutôt s'ils ne refusent pas, parce que c'est ça ce qui est demandé, s'ils ne refusent pas d'être pris en photo. Et on a une photo d'identité qui est dans le dossier médical et qui apparaît dans le dossier technique de radiothérapie et qui s'affiche dans la salle de traitement. Donc, quand le manipulateur appelle le patient, il a la tête du patient à l'écran, il peut vérifier à la fois le nom, le prénom, la date de naissance, mais aussi la tête du patient. Et dans certaines salles, on peut aussi faire contrôler par le patient lui-même sa photo. Parce que c'est vrai qu'en fonction de si on a la perruque, pas la perruque, grossie, maigrie, etc., des fois, la photo, elle peut changer. Alors, à Gustave Roussy, ça se passe plutôt bien. On a quelques exceptions qui sont parfois, notamment les dames voilées qui refusent d'être prises en photo, ou des gens qui ne comprennent pas bien, qui, du coup, disent non à la photo alors qu'ils ne refusaient pas forcément, et voilà. Donc, il y a quand même un gros travail du personnel d'accueil pour bien expliquer l'intérêt de la photo et que ce n'est pas pour stigmatiser les gens, mais que vraiment, c'est pour les identifier, etc., pour le traitement. Donc, c'est pas, y a pas, je crois qu'il n'y a pas de système parfait, mais voilà, on a plusieurs systèmes d'identito-vigilance et c'est pour ça aussi qu'on demande de décliner l'identité. Ce n'est pas juste pour embêter les gens. J'avais la photo sur l'écran et j'avais ma carte qu'on donnait à chaque fois. Donc, ça s'est rectifié tout de suite, oui. Mais il y a eu une angoisse d'un côté et de l'autre. En général, on est une équipe qui tourne pas trop. Donc, au bout de 2-3 jours, on est entraîné, on reconnaît les gens. Mais il se peut, parce qu'on a des problèmes de personnel aussi, qu'on tourne. Et quand on ne connaît pas les gens, si une personne se lève à la place d'une autre, ça, malgré toutes les bonnes volontés du monde, à partir du moment où il y a un facteur humain, si personne joue le jeu, en fait, ça peut arriver à l'accident. Quoi. Mais on est vigilant. C'est vrai que c'est un travail d'équipe, pas seulement de l'équipe soignante, mais d'équipe patient-soignant aussi. Hein. Ouais. Oui, très bien. Donc, il faut stopper Sophia, en fait. Donc, après l'étape de dosimétrie, on va faire cette étape de validation du traitement par l'oncologue et aussi par le physicien médical. Et on finira par transférer les données à l'accélérateur par un système que l'on appelle le Record and Verify, qui permet de vérifier les paramètres de traitement et d'enregistrer la séance au cours du traitement. Chaque séance est enregistrée à chaque fin de séance. Donc, j'ai pris ici un exemple du traitement de la glande mammaire à 50 degrés en 25 fractions. Vous pouvez voir sur l'image tout à gauche une coupe axiale avec les deux faisceaux que l'on qualifie de tangentiels, interne donc, qui vient du haut et l'externe qui vient par le bas. Sur la droite, on appelle ça des images DRR, donc c'est une sorte de cliché radiographique sur lesquels on peut voir en fait la vue du faisceau. Et on peut voir sur l'image du centre que le faisceau est adapté à la forme de la glande mammaire. C'est-à-dire que vous avez la forme de la glande mammaire et une protection aussi au niveau du poumon pour éviter de mettre de la dose dans le poumon. Et sur la droite, on voit la forme de la glande mammaire au sein du faisceau. On rajoute aussi ce qu'on appelle des filtres en coin pour moduler la dose en fonction de la forme du sein.
Le traitement peut aussi être complété par ce qu'on appelle le boost. Donc on va rajouter 16 grès en 8 fractions supplémentaires. C'est en principe deux faisceaux beaucoup plus petits, resserrés sur le lit chirurgical. Donc on peut voir la comparaison. Sur la gauche, vous aviez le faisceau tangentiel interne avec toute la glande mammaire qui est prise. Et sur la droite, vous pouvez voir le faisceau beaucoup plus réduit sur le boost. Oui, c'est quand on est sur la table, on les entend qui donnent des mesures. Oui. Ça correspond à ça ? Alors, ça correspond au positionnement du faisceau au niveau de la glande mammaire ou du boost, hein, de la zone à traiter, exactement. Voilà, donc en principe, ils se remettent sur les repères, les points de tatouage dont vous parliez précédemment, et ensuite, ils vont se décaler par rapport à des coordonnées qu'on leur donne depuis la dosimétrie. Qu'est-ce voilà. Alors, la fuite, bah, c'est très bien. Mais la fuite, en fait, c'est ça. C'est ce que vous voyez là, en fait. Non, il n'y a pas de problème. C'est très bien qu'il y ait la fuite. Il faut qu'il y ait la fuite. En fait, la fuite, c'est cette zone-là, si vous voulez. Le faisceau est un peu plus ouvert par rapport à la peau. Il est ouvert, en fait, pour être sûr que, avec la respiration ou avec un gonflement partiel de la glande mammaire, on est toujours sûr d'avoir la glande mammaire dans la totalité du faisceau. Dans le boost, on n'a pas ce problème-là, à moins que le lit chirurgical soit plutôt vers la partie, vers la peau, en fait. Où là, pour le coup, on n'a pas envie de rater la cible, donc on va quand même créer une fuite dans le cas de ces boosts-là. Mais la plupart du temps, si le boost est en interne, on ne va pas mettre de fuite. Il y a des marges, il y a toujours des marges, évidemment. On les voit, ces marges. Hein. Vous voyez, sur le boost, on n'est pas collé. Ce qu'on appelle, ce dont parlait Sophia précédemment, les lames, en fait, ce qu'on appelle les lames, elles ne sont pas collées. Il y a une marge, toujours, pour être sûr. Et comment est-ce que vous faites pour éviter certains organes ou pour, voilà, on parle souvent d'effets indésirables. Alors, qui peuvent se produire. Dans ce cas-là, en fait, on protège, en fait, là, le poumon qui est juste derrière ici avec des lames. On peut aussi multiplier les faisceaux en faisant des faisceaux plus petits, des faisceaux réduits. On peut changer l'inclinaison. On peut jouer sur l'énergie. Qu'est-ce que c'est, les lames ? Alors, les lames, bah, alors, on appelle ça un collimateur multilame. En fait, c'est une espèce de système avec des métalliques, mais très épais, qui permet de conformer le faisceau. On donne une forme au faisceau. On lui donne la forme qu'on veut. Donc, on va pouvoir, justement, protéger ainsi les différents organes. En fait, dans la tête de l'appareil, par où va sortir le faisceau, au lieu d'avoir la fenêtre que je vous ai montrée sur les vieux appareils de radiothérapie, on va avoir non pas une grande fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme, mais une fenêtre qui est constituée de plein de petits éléments qui sont ces lames, en fait, que vous voyez ici. Et donc le faisceau, au lieu de sortir et d'être un grand carré, le faisceau, on va lui donner une forme, c'est-à-dire qu'il va sortir entre ces lames. Et donc ici, les lames vont cacher le poumon qui est derrière, de façon, ou le cœur ici, de façon à ne pas irradier la partie qui est derrière, mais à bien irradier la partie qui est là, qui est le sein. Et puis, on va faire une fuite, c'est-à-dire qu'on va laisser sortir le faisceau dans l'air, parce qu'on s'en fiche d'irradier l'air. Et ça nous permet d'être sûr qu'il y a bien du faisceau qui arrive en avant de la glande mammaire. Comme ça, même si je respire pendant ma radiothérapie et que mon sein s'avance un petit peu, eh bien, le sein s'avance dans cette zone de fuite. Donc, le sein sera traité quand même. Et on voit très bien ici, ou pas très bien, ça dépend de l'œil qu'on a, qu'on a les petites lames qu'on visualise ici qui vont venir s'interposer ici. Et donc, on va cacher le poumon qui est juste derrière le sein grâce à ces petites lames, qui sont des lames de plomb, donc qui arrêtent le rayonnement. Par contre, donc j'ai bien compté que le rayonnement, on pouvait l'orienter, on peut l'arrêter. Oui. Mais comme il vient de l'extérieur, il est obligé de toute façon de passer par la peau. Exactement. Là, c'est important. Oui. Oui, tout à fait. Absolument. D'accord. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a assez voulu. Non, parce qu'à un moment donné, dans l'explication tout à l'heure, j'avais cru comprendre. Oui. Alors, ce que je disais, c'est que la sensibilité des cellules et des tissus est différente. Donc, les cellules cancéreuses, c'est les plus sensibles. Et plus les cellules se multiplient vite, plus elles sont sensibles. Il se trouve que la peau, c'est des cellules qui se renouvellent quand même tous les jours. Donc oui, la peau, elle a une certaine sensibilité aux rayons. Et oui, c'est pour ça qu'il y a des rougeurs de la peau. En particulier,
quand on a des hétérogénéités de relief sur la peau. Donc plus le sein est gros, plus il redescend, plus on a un pli sous le sein, plus ça va avoir tendance à s'irriter dans cette zone-là. Parce que justement, il y a cet effet un petit peu de différence d'épaisseur. Donc oui, les rayons vont traverser l'ensemble. Sur les cellules cancéreuses ou précancéreuses, on va avoir un effet beaucoup plus fort. Sur la peau, on va avoir un effet intermédiaire. Sur le poumon, par exemple, on aura un effet moins important. Oui, puis on peut limiter, en plus. Exactement. Oui. Et au point de vue cardiaque, il faut une surveillance. Bon, on m'a dit qu'il fallait voir un cardiologue. Alors, au point de vue cardiaque, déjà, on va y revenir un petit peu après, mais tout dépend de l'état de base du cœur et des facteurs de risque. Ça, je détaillerai bien ça. Et ensuite, tout dépend de la dose qu'on est amené à délivrer. Le plus souvent, il n'y a besoin d'aucune surveillance cardiaque. Maintenant, si pour une raison quelconque anatomique, il y a une dose au cœur qui est délivrée, qui justifie une surveillance, bah, à ce moment-là, on va envoyer les gens vers un cardiologue. Si les gens ont déjà un pacemaker, par exemple, avant de faire la radiothérapie, à ce moment-là, oui, il y a besoin de voir le cardiologue avant et après. Il y a même une surveillance en cours de radiothérapie spécifique. Donc tout dépend des antécédents qu'on a et du contexte, de la chimiothérapie qu'on a eue éventuellement, parce qu'il y a des chimiothérapies qui peuvent agir sur le cœur, ou de l'herceptine, par exemple, qui agit sur le cœur. Donc il y a des surveillances à adapter en fonction des traitements. Et il se peut aussi que les aires ganglionnaires doivent être traitées et ou la chaîne mammaire interne. Elles sont traitées en même temps que la glande mammaire avec la même dose. Pour les aires ganglionnaires, donc c'est 50 degrés, en photon. On peut voir un exemple sur les deux images ici. On peut voir le faisceau légèrement incliné avec les deux ganglions à traiter. Et sur la droite, la vue du faisceau avec les deux ganglions et des protections au niveau du larynx, je ne dis pas de bêtises, c'est bien le larynx, voilà. Et pour la chaîne mammaire interne, là on va mélanger, en fait, on va avoir un faisceau de photons, on va mettre 10 degrés, et on va faire un complément avec 40 degrés en électrons, parce que les électrons vont déposer de la dose, mais plutôt en superficie. Et grâce à ça, on va protéger le cœur. Et là, c'est l'image, en fait, c'est les deux images en dessous, où on peut voir le rectangle qui irradie la chaîne mammaire interne. Ça, c'est pour vous montrer qu'en résumé, on peut, grâce à notre logiciel, voir la simulation sous l'accélérateur linéaire avec la visualisation du patient. Donc ça, c'est l'exemple tangentiel externe. Et sur l'image de droite, on voit l'ensemble des faisceaux du traitement. Donc vous pouvez voir en haut le faisceau qui va traiter les aires ganglionnaires, le faisceau qui traite la chaîne mammaire interne, le tangentiel interne et le boost réduit sur le lit chirurgical. Enfin, à partir de cette balistique, on va calculer la distribution de doses et on va regarder coupe par coupe avec le médecin la distribution. Donc sur l'image de gauche, vous voyez la glande mammaire entourée de ce qu'on appelle des isodoses, la chaîne mammaire interne. Au centre, c'est, il me semble, la zone susclaviculaire. Et sur la droite, c'est une autre coupe. On peut regarder dans trois coupes différentes, en axiale, en coronale, en sagittale, pour s'aider. Et pour faire l'évaluation, qui se fait par rapport à des contraintes de dose, on a des outils qui peuvent être des tableaux qui nous dosent la dose moyenne reçue au cœur, au poumon, la dose maximale, la dose minimale, ou sinon, sous forme de graphiques, ce qu'on appelle des histogrammes dose-volume, qui résument de façon assez judicieuse la distribution de doses. Et à l'issue du choix de la dosimétrie adaptée, on va calculer pour chaque faisceau le temps de traitement, puisque en fonction de l'épaisseur, en fonction de la densité de chacun, le temps est différent pour chaque faisceau. Donc vraiment, il y a la notion de traitement complètement personnalisé. Et enfin, on va vérifier l'ensemble des paramètres, puis transférer toutes ces données au poste de traitement. Et pour la partie traitement, Gaëlle va vous expliquer. Donc avant de commencer le traitement, la première venue, c'est une mise en place. C'est-à-dire qu'on va faire une répétition générale. On va faire comme si on faisait le traitement, mais au lieu de lancer une séance, on va juste faire des radios. Donc on va se repositionner dans la position du scanner. On a déterminé au scanner, on va, grâce au point de tatouage et à nos lasers,
On va faire nos décalages qui nous ont été transmis par la physique suite à la dosimétrie. Et on va faire une radio. Et après, on la compare au DRR, les images que vous avez vues avant, pendant la dosimétrie. Donc, c'est des images qui nous arrivent. Nous, on compare les deux. On va éventuellement s'ajuster un petit peu parce qu'en fonction des caractéristiques techniques de la machine, on a des petits ajustements à faire. Et après, le médecin va valider ces images. Donc, le plus souvent, ce jour-là, il n'y a pas de traitement. Après, ça peut arriver que pour des raisons justement de maintenance ou des choses comme ça, on puisse faire une première séance, mais c'est très très rare parce que ça demande une logistique qui est très lourde pour nous, puisqu'il faut qu'on appelle le médecin pour qu'il valide, enfin, il faut que tout le monde soit présent, et c'est assez compliqué d'être tous présents au même moment au poste. Donc c'est assez rare. Donc le premier jour, c'est que des radios. Ensuite, une fois que les images sont validées, on va commencer le traitement. En général, c'est le lendemain ou le surlendemain. Ça dépend où, si on fait la mise en place le vendredi. On va commencer la première séance le lundi. En général, on ne travaille pas le week-end. C'est un peu de repos. Donc, pour vous, la séance, ça va être comme la mise en place. C'est-à-dire que ça va ressembler. On va se repositionner de la même façon avec les points de tatouage, les lasers. On va refaire nos décalages. Et on va délivrer les rayons. Lorsqu'on délivre les rayons, en fait, vous allez rien sentir, rien voir. Vous allez entendre un bruit qui est une espèce de bourdonnement, j'appelle ça moi le bourdon, ou l'abeille. C'est un bruit qu'on fait parce que c'est obligatoire, mais les rayons, ça ne fait pas de bruit. Donc, vous allez pouvoir voir une lumière justement qui s'allume, qui passe du vert au rouge. Ça veut dire que les rayons passent, mais vous n'allez rien sentir, rien voir. Voilà. Et vous continuez à respirer normalement. L'important, c'est que vous ne bougiez pas et que vous restiez le plus immobile possible, mais en respirant tranquillement. Il n'y a aucun danger pour l'entourage quand vous sortez. Vous ressortez comme vous êtes rentré. Le traitement dure à peu près... ça dépend du traitement, c'est toujours pareil. Ça dépend de la complexité des faisceaux qu'on a réussi à faire. Ça dure entre 15 et 20 minutes. La machine fait un espèce de bourdonnement quand les rayons passent, mais ce n'est pas les rayons. C'est la machine qui vous dit elle est en route. Elle est en route, mais les rayons, ça ne fait pas de bruit, ça ne se voit pas, on ne sent rien. De vous concentrer. Oui. Oui. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu un bruit de mie. Et puis si vous regardez au pied de la table, je vous dis, il doit y avoir une lumière qui passe du vert au rouge. Alors, on n'est pas dans la salle avec vous. On est à l'extérieur. Il y a une caméra. Il y a des micros. On vous entend, on vous voit. Si vous avez quelque chose à demander, on ne saute pas de la table. Vous levez gentiment la main, on arrive, il faut nous laisser le temps. Vous allez voir, quand vous rentrez dans la salle de traitement, il y a ce qu'on appelle la chicane. C'est un espèce de petit couloir. Il faut nous laisser le temps de rentrer. La porte, elle n'est pas manuelle, elle est électrique. Donc, il faut laisser le temps à la porte de s'ouvrir, on arrive. Mais la pièce, elle est aérée, elle est grande, l'appareil ne vous touche pas. Si vous dites des méchancetés, on va le savoir tout de suite. Et on répond. Oui, le micro est... Ah oui, on peut vous parler aussi. Si on vous voit gigoter, on va crier. Non, parce que voilà, on est garant de votre traitement quelque part. Donc si vous bougez, nous on va intervenir parce que c'est pas dans nos c'est pas ce qu'il faut faire. Donc on va vous rappeler à l'ordre. Mais on vous voit. L'important, pour que le traitement soit bien fait, c'est effectivement, vous êtes aussi acteur de votre traitement, donc il faut rester le plus immobile possible, même si on a des marges de sécurité,
faut pas, voilà, faut pas, et surtout, voilà, pas, si vous sentez quelque chose, c'est, ne pas attendre de sauter de la table, voilà, si vous avez une angoisse qui monte, vous le signalez, on arrive, mais c'est important, parce que nous, on va paniquer derrière, parce que le traitement va pas être optimum pour, enfin, paniquer, j'entends, mais on va pas être content, parce que notre travail va pas être fait à son maximum, donc, comme, voilà. Alors, les appareils vont de plus en plus aller vers le fait que quand vous allez bouger, effectivement, il va y avoir des sécurités. Ça, c'est l'avenir. Et pour le moment, l'arrêt, c'est nous qui le faisons. Donc, si vous bougez, voilà, c'est pas vous qui décidez, c'est nous qui décidons à quel moment on arrête si vous bougez. Donc, c'est pour ça qu'on va. Mais c'est vrai qu'avec les nouveaux appareils qui arrivent, ce qui est en train d'être mis en place, ça va venir. Ça, après, ça va dépendre. Mais bon, après, plus vous bougez, plus vous y resterez. C'est-à-dire que le traitement n'est fait que dans une position et les rayons ne sont délivrés que lorsque vous êtes dans cette position. Donc, après, il y a des sécurités. On a des contrôles de qualité de la machine. Donc, elles sont vérifiées régulièrement. On ne démarre le matin que lorsqu'on a fait le top. Donc, on a vérifié que les rayons étaient bien délivrés, donnaient la bonne dose. Voilà. Et après, pour votre traitement en particulier, on a des radios, en général, enfin, ça dépend, c'est pareil, ça bouge beaucoup, ça. Ça dépend des appareils. Il y a des appareils, c'est du recalage quotidien, mais en général, pour un traitement standard, ça va être une fois par semaine, on va faire des radios pour vérifier que votre morphologie n'a pas bougé. Si votre morphologie ne bouge pas, nos décalages, nous, sont les bons, on a des repères visuels, on va dessiner des choses. Quand il y a plusieurs champs, on va vérifier tout ça. Mais au niveau radiologique, on va vérifier une fois par semaine que les profondeurs et que tout se recale bien. Donc, en cours de traitement, vous allez avoir une surveillance quotidienne par les manipulateurs du poste de traitement. C'est-à-dire que tous les jours, on vous voit, on suit, on finit par vous. Il nous faut à peu près 3-4 jours, à peu près. Pour vous. Et puis ben, on voit au fur et à mesure comment se déroule le traitement et s'il y a quelque chose qui apparaît de façon brutale voilà, on va en parler avec vous. Donc il y a les images aussi donc hebdomadaires en cours de traitement pour vérifier le positionnement. C'est vraiment le positionnement qu'on vérifie. C'est pas, on va pas chercher un diagnostic, quelque chose. Non, nous c'est du positionnement, c'est savoir si on délivre la dose au bon endroit et que votre morphologie n'a pas bougé. Et après vous allez avoir une consultation hebdomadaire avec un médecin différent à peu près. Alors, comme le disait, toutes les semaines. Voilà, comme le disait Sophia, c'est notre système de fonctionnement. Ça a du bon, ça a du moins bon. Mais bon, voilà, c'est un œil neuf à chaque fois qui regarde et qui va. Voilà, on reprend à chaque fois. Alors ça peut paraître fastidieux, ça peut paraître long et un peu bizarre, parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Mais c'est vrai que ça permet de détecter des choses qu'on ne verrait pas si c'était toujours. Parce que le médecin connaissant votre dossier tout le temps, il ne va pas revenir. Mais de revoir un œil, voilà, quelqu'un différent un peu régulièrement, bah, ça a du bon aussi. Oui. Oui, non, mais on est un gros paquebot. On a nos avantages et nos inconvénients, mais ça n'a pas que du mauvais. Et puis bah, après, au niveau nous, on a une action locale, donc, mais il n'y a pas de surveillance biologique. Pas, nous, c'est vraiment, c'est local, notre traitement. Donc, on ne va pas vous faire de prise de sang, de choses comme ça. Donc, voilà, c'est une surveillance clinique. Voilà, pour la vérification ça, c'est ce qu'on fait comme radio. Voilà, ça, c'est les images qui nous sont rapportées du scanner. Ça, c'est ce qu'on a comme image. Donc, on va repérer si ça correspond. Donc on va chercher la fuite tout au long, c'est-à-dire que la glande mammaire, on doit l'irradier dans son ensemble, et puis on va repérer la paroi thoracique essentiellement sur les tangentielles, parce que c'est ce qui nous permet de nous repositionner. Alors ça, je sais pas si c'est moi ou c'est toi.
En cours de traitement, on l'a dit, toutes les semaines, il y a une consultation de surveillance. En fait, la consultation de surveillance, elle sert à répondre à vos questions, éventuellement aux questions auxquelles on n'aurait pas répondu lors de la première consultation, et puis à voir comment se passe le traitement. Parce que, comme on l'a dit, il peut y avoir des effets secondaires, notamment des rougeurs de la peau. À ce moment-là, s'il y a des rougeurs, on va prescrire des soins locaux. On va aussi redonner toutes les consignes. Les consignes, c'est de ne pas mettre de crème avant la séance de radiothérapie, d'éviter le déodorant du côté traité, d'utiliser plutôt un savon sur gras, en tout cas un savon sans parfum, pour ne pas irriter la peau, d'utiliser plutôt soit pas de soutien-gorge du tout, soit un soutien-gorge sans armature ou sans rien qui vienne frotter et irriter le sein, en particulier en dessous, d'utiliser plutôt des vêtements en matière naturelle, 100% coton, pas de matière synthétique, d'amarre et choses comme ça qui fassent transpirer et qui donnent de l'électricité statique et qui favorisent les irritations, vraiment tout simple. Pas d'exposition solaire de la zone traitée pendant la radiothérapie. Et puis, pas de bain de mer ou de piscine. Alors, si vous avez votre propre piscine d'eau douce, Javel, machin, c'est merveilleux et vous pouvez. Donc, le problème, ce n'est pas le bain. Le problème, c'est le sel ou le chlore. Hein, c'est tout ce qui peut irriter la peau. Donc, ce qu'on veut, ce n'est pas irriter la peau pendant la radiothérapie. Mais dès qu'on a terminé la radiothérapie et que la peau, si elle a rougi, a dérougi, à ce moment-là, on peut reprendre toutes ces activités-là sans problème. En fin de traitement, on va faire une consultation de fin de traitement, c'est-à-dire qu'à nouveau, le médecin va voir le patient. Alors, ça peut être la dernière semaine de traitement ou ça peut être après la fin de traitement, ça, c'est un peu variable. Et on va faire le point sur l'ensemble du traitement, vérifier justement tous les paramètres du traitement et définir le programme de surveillance. Classiquement, le programme de surveillance en sénologie, c'est un examen clinique tous les 6 mois, donc 2 fois par an. Et seulement une fois par an, on fait la mammographie et l'échographie. Dans certaines situations, on peut avoir besoin de faire une IRM en plus ou d'autres examens. Mais voilà, et le plus souvent, on fait une surveillance alternée entre l'oncologue médical et l'oncologue radiothérapeute. Pour ceux qui n'ont pas eu de chimio, et bien la surveillance, elle peut être faite uniquement par l'oncologue radiothérapeute ou parfois en alternance avec le chirurgien ou parfois en alternance avec le gynécologue de ville. Ça, c'est à adapter. On se met d'accord lors de cette consultation pour bien partir avec un programme clair et des rendez-vous qui vont être établis. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce suivi après la radiothérapie ? Pour éliminer une récidive, et si elle survient, pour la détecter le plus tôt possible, pour pouvoir la traiter le mieux possible, mais aussi pour évaluer s'il y a des toxicités et les prendre en charge. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme bénéfice et comme toxicité de la radiothérapie ? D'abord, on va regarder les bénéfices. Pourquoi on fait la radiothérapie ? Eh bien, les grosses études, elles sont publiées dans des journaux internationaux, c'est pourquoi c'est en anglais. Et les grosses études, elles nous montrent que, notamment dans cette méta-analyse, c'est-à-dire cette analyse de plusieurs essais, vous voyez, 10 essais, plus de 7000 patientes, grâce auxquelles on a pu démontrer qu'en fait, la radiothérapie, elle réduisait le risque de récidive locale et qu'on passait d'un risque de récidive locale de 26% à un risque de récidive locale de 7% quand on fait la radiothérapie. Et le petit p qu'il y a derrière, c'est de la statistique, c'est pour dire que c'est très hautement significatif. Et donc, clairement, la radiothérapie réduit le risque de récidive locale et qu'en plus, elle sauve des vies. C'est-à-dire que pour 4 récidives locales évitées, on a une vie sauvée. Donc, non seulement on réduit le risque de récidive locale, mais en plus, on réduit le risque de mortalité à la fois par cancer et global. Parce qu'on pourrait se dire, ah, mais avec votre radiothérapie, vous réduisez le risque de récidive, donc vous réduisez le risque de mourir du cancer. Mais si votre radiothérapie elle est très toxique, par exemple si elle est très irradiante pour le cœur et qu'on va mourir d'un infarctus, eh ben, au final on n'aura rien de gagné du tout puisqu'on ne va pas mourir du cancer mais on va mourir de l'infarctus. Eh bien non. Même si la radiothérapie elle peut avoir une toxicité, c'est vrai, au final elle sauve des vies. C'est-à-dire que même en tenant compte des possibles toxicités de la radiothérapie, on a un bénéfice en survie. Et ça c'est très important parce que bien souvent dans la grande presse, et c'est vrai pour tous les traitements, en particulier la chimiothérapie, on entend beaucoup parler des toxicités parce que c'est ce qui fait peur, c'est ce qui fait vendre les journaux, mais on ne se rend pas compte de la balance bénéfice-risque. Et donc, il y a des gens qui entendent que oh, ça peut être toxique, alors je ne vais pas faire le traitement, et qui mettent en danger leur vie parce qu'ils n'osent pas faire le traitement parce qu'ils ont peur des toxicités. Il faut bien savoir que la toxicité, elle est beaucoup plus grave et elle a beaucoup plus de conséquences que le traitement. Et donc, c'est vraiment une histoire de balance. Oui. Ouais. Ça, c'est une bonne question. Ouais. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il reste encore 7% de récidive locale ? Eh bien, la réponse, c'est parce que dans ces 7%, il y a un peu de tout. Il y a
il y a des gens avec des maladies plus agressives qui auraient sans doute besoin d'autres schémas de traitement qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vraiment fait beaucoup de progrès en termes de cancer du sein, qu'on guérit énormément de cancer du sein, mais que malgré tout, il reste quelques pourcents qui rechutent. Il reste quelques pourcents qu'on ne sait pas identifier dès le départ. Donc toute la recherche aujourd'hui, elle essaye d'identifier les patients qui sont à risque plus élevé et les patients qui sont à risque moins élevé. On a pas mal avancé sur les patients à risque moins élevé chez qui on peut faire ce qu'on appelle de la désescalade thérapeutique, c'est-à-dire alléger un peu les traitements. On a encore du mal à identifier vraiment les patients à très haut risque pour qui il faudrait peut-être intensifier davantage les traitements. Il y a beaucoup de pistes de recherche qui sont, et notamment c'est ce qu'on fait au laboratoire, chez ces patients à haut risque, de proposer des traitements qui associent la radiothérapie à d'autres traitements, à des molécules de chimiothérapie ou de thérapie ciblée ou d'immunothérapie qui pourraient augmenter l'efficacité des rayons et réduire davantage ce risque de récidive en espérant arriver un jour à zéro. Voilà. Les traitements parallèles qui se font éventuellement avec la radiothérapie, ils se décident, ou en tout cas ils se proposent, à partir de la discussion qu'on a en réunion pluridisciplinaire. C'est-à-dire que là, on va avoir l'oncologue médical, l'oncologue radiothérapeute, le chirurgien, tout le monde qui va discuter autour du dossier et dira bah, « cette patiente-là, on peut lui proposer tel essai thérapeutique parce qu'elle correspond à la population sélectionnée pour tel type d'essai ». D'ailleurs pour de la désescalade ou pour de l'escalade thérapeutique. Et à ce moment-là, on va en parler aux patients et dire bah, « voilà, aujourd'hui, on a ces éléments-là qui nous font penser que vous êtes à risque de ceci ou de cela, ou au contraire, que vous n'êtes pas à risque. Et donc, on va vous proposer plutôt ce traitement-là ou ce traitement-là. » Voilà. Et on avance petit à petit. Et c'est vrai qu'on aimerait tous avancer plus vite. Mais c'est pour ça que c'est important de faire tout ce qu'on peut pour arriver à faire avancer la recherche de tous les côtés, quoi. Absolument, absolument. Alors, l'hormonothérapie, elle n'est utile que chez les femmes qui avaient des récepteurs hormonaux sur leur tumeur. Donc, il y a une partie des patientes pour qui l'hormonothérapie, de toute façon, n'apporte aucun bénéfice. Mais dans celles qui peuvent tirer bénéfice de l'hormonothérapie, le fait de faire l'hormonothérapie, elle vient réduire le pourcentage de récidive, bien sûr. C'est pour ça qu'on la donne. Ouais. Typiquement, l'hormonothérapie, et j'irais même les hormonothérapies, puisqu'aujourd'hui, on dispose de plusieurs hormonothérapies différentes en fonction de si on est avant la ménopause ou après la ménopause. Bah, typiquement, ça fait partie des grands progrès de cette dizaine de dernières années. Voilà. Et qui a permis de réduire davantage le risque de récidive. C'est ça. Ça s'additionne. Et en fait, en fonction du niveau de risque, il faut savoir combien de briques il faut additionner. La chimio plus les rayons plus l'hormono, plus l'herceptine, seulement la radiothérapie et l'hormono, seulement, voilà, ou la totalité. Et ça dépend du niveau de risque. C'est ça. Ah, ben parfait, sur l'hormonothérapie. Donc lundi 18. Ah. Eh oui, ça c'est troublant. Ouais. Ça c'est un très gros souci, hein, parce que forcément dans la presse, encore une fois, on publie ce qui fait vendre. Alors bien sûr que l'idée de départ, c'est d'informer les gens, et c'est bien d'informer les gens. Mais le problème, c'est que une fois qu'on balance l'information et que le patient il est tout seul devant son poste de radio ou devant son article de journal, il ne sait pas forcément bien l'interpréter. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a aucun problème à aller écouter la radio, lire sur Internet, lire les journaux, etc. Mais qu'il ne faut pas hésiter à noter ou à imprimer les informations et les apporter en consultation et à poser la question de si ça s'applique à vous ou pas et de pouvoir en discuter. Alors on ne trouve pas toujours le temps de discuter de tout parce que c'est limité. Bon. Alors vous êtes malade et vous avez toujours le droit de redemander, ça c'est la première des choses. On n'a pas forcément le temps tous les jours de répondre à la question, donc je ne dis pas qu'on va systématiquement répondre, ce serait trop beau d'avoir le temps de faire tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas hésiter parce qu'il y a bien un moment, soit une consultation hebdomadaire, soit une consultation après, où on va pouvoir répondre à tout ça. Donc c'est important vraiment de pas lâcher prise quand vous avez quelque chose qui vous interpelle. Et alors sur la question du surdiagnostic, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles qui sont sortis dans la presse sur le dépistage du cancer du sein et
qui transmettait le message de dire, mais on fait aujourd'hui beaucoup de mammographies pour dépister les cancers du sein. On dépiste peut-être certains cancers du sein dont les gens ne seraient pas morts, qui n'auraient pas évolué, en particulier chez les femmes âgées, pour des cancers de petit stade, qui peut-être seraient restés là indolents, n'auraient jamais fait parler d'eux, n'auraient jamais donné de métastases, et les gens seraient morts d'autre chose avec leur cancer du sein. Alors pourquoi allez-vous les embêter à traiter ce cancer du sein ? Et ça, c'est ce qu'on appelle le surdiagnostic, c'est-à-dire diagnostiquer quelque chose dont on ne serait pas mort ou qui n'aurait pas justifié d'un traitement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas différencier avec précision les cancers du sein qui ont un risque évolutif et ceux dont on pourrait être sûr qu'ils n'ont pas de risque évolutif. Et donc aujourd'hui, quand on fait un diagnostic de cancer du sein, on sait qu'il y a un tel risque d'évolution au total qu'il est important de traiter ce cancer du sein. Et on sait aussi que parce qu'on détecte des petits cancers, on va pouvoir faire des tumorectomies et non pas des mastectomies. On va pouvoir éviter parfois de la chimiothérapie et du coup faire des traitements moins lourds. Et que ça, c'est vraiment grâce au diagnostic précoce. Donc peut-être qu'il y a du surdiagnostic, c'est-à-dire que peut-être que dans le tas, il y a des patients dont le cancer n'aurait pas évolué. Mais aujourd'hui, on ne sait pas lesquels. Donc soit on accepte de courir ce risque et on se dit « Ah ben moi, je ne veux pas faire de mammo, je ne veux pas faire de traitement, tant pis si jamais je meurs de mon cancer du sein, je cours le risque, et après tout, c'est le droit de chacun de décider du risque qu'on a envie de courir. Soit on se dit, comme en l'état actuel de la science, on ne sait pas si ce cancer que je peux avoir peut me tuer, eh bien, je veux savoir si je l'ai, parce que je sais que si on me le traite, je peux guérir. » Voilà. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est le seul message dont on soit sûr. C'est que si on le détecte, et si on le détecte tôt, non seulement on peut en guérir, mais en plus on peut en guérir avec des traitements moins lourds. Donc c'est ça qui est important. Et le problème de ce message du surdiagnostic, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez bien dit, il y a des gens qui du coup se disent « Ouh là là, moi je ne vais pas y aller ». Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le dépistage, pour être vraiment efficace, il faudrait qu'on dépiste plus de 70% des femmes à risque, et qu'il n'y a même pas 50% des femmes qui vont faire le dépistage. Alors qu'en France, le dépistage, il est gratuit, il est organisé, il y a une double relecture. Même dans les campagnes, il y a le mammobile qui passe pour aller faire le dépistage. On n'est pas obligé d'aller au centre de radiologie. Et que malgré ça, on dépiste quand même très peu de femmes par rapport à celles qu'on devrait dépister. Donc il faut faire très attention à ces messages-là. Ouh, il y a le temps qui file. Alors, bon, ben voilà, c'est bien qu'on en discute. Bon, merci Christelle. Mais du coup, l'heure tourne. Bon, alors on va essayer d'avancer très vite parce que je pense qu'il y a plein de gens qui doivent partir. On n'a pas vu tourner l'heure. Alors, donc globalement, je vous ai dit que la radiothérapie, elle réduisait le risque de récidive. Et effectivement, quand on regarde le gain à 5 ans, que ce soit chez des patientes sans atteinte ganglionnaire, N-, ou chez des patientes avec une atteinte ganglionnaire, N+, vous voyez que si on regarde ici le risque de récidive locale, eh bien clairement, le risque, il est diminué quand on fait la radiothérapie. Alors, ça, c'est le gain entre les deux. C'est-à-dire que si on regarde séparément, je vous ai dit que le gain pour tout le monde tout à l'heure, c'était de passer de plus de 20% à 7%. Celles qui n'ont pas d'atteinte ganglionnaire, elles ont un risque de base qui est plus faible. Donc, le bénéfice au faible, celles qui ont une atteinte ganglionnaire, voilà. Et ce bénéfice en risque de récidive locale, il se traduit en survie. C'est-à-dire que non seulement on réduit le risque de récidive, mais en plus, on réduit le risque de mortalité par cancer. Alors, hop, ça va vite. À quel prix ? Eh bien, effectivement, il y a des effets secondaires. Pour arriver à avoir le bénéfice de ce traitement, eh bien, on risque des réactions aiguës et des réactions tardives. Les réactions aiguës, elles sont fréquentes, pour certaines, voire très fréquentes, et elles sont réversibles, c'est-à-dire qu'elles vont disparaître. Donc, elles affolent souvent le patient, parfois le médecin généraliste, parce qu'il n'a pas bien l'habitude de la radiothérapie. Et c'est vrai que des fois, ça peut être impressionnant. Mais le radiothérapeute, il n'est pas très affolé parce qu'il sait que ça va disparaître. Les toxicités tardives, c'est autre chose. Alors, commençons par les toxicités aiguës. La plus fréquente, elle n'est pas systématique. Il y a des gens qui n'ont rien du tout. Mais elle est quand même très fréquente, c'est la radiodermite. C'est ce que les gens appellent la brûlure. En réalité, il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas d'effet thermique des rayons. Ça ne chauffe pas les rayons, donc il n'y a pas de brûlure. Mais la peau peut rougir parce qu'il y a un dépôt de dose. Et donc, ça peut s'apparenter à un coup de soleil ou à une brûlure. Ça va rougir dans le champ d'irradiation. Ça va rougir d'autant plus qu'on a un sein volumineux, d'autant plus qu'il y a des replis. Donc, ça peut rougir beaucoup sous le bras, sous le sein. Ça va rougir d'autant plus qu'on a une peau qui est sensible aux rayons. Sauf que les rayons X, ce n'est pas les rayons UV. Donc, ce n'est pas parce qu'on est très blanc aux cheveux roux qu'on va être très sensible aux rayons.
Et c'est pas parce qu'on est très brun à la peau mate qu'on va être protégé. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est très clairement établi. On sait d'ailleurs même que les femmes à la peau noire, enfin les femmes et hommes à la peau noire, font plutôt plus de réactions cutanées que les femmes à la peau blanche ou les hommes à la peau blanche. On sait aussi que les gens qui fument font plus de réactions cutanées que les gens qui ne fument pas. On sait aussi que le volume compte, c'est-à-dire que plus le volume à irradier est important, plus on a de risques de réactions cutanées. On sait aussi que le diabète peut jouer et que les patients diabétiques peuvent faire plus de réactions cutanées que les patients qui ne sont pas diabétiques, surtout quand le diabète n'est pas bien équilibré. Ensuite, il peut y avoir un œdème ou une inflammation, c'est-à-dire un gonflement du sein. Donc c'est quelque chose qui va régresser, mais c'est vrai qu'on peut avoir un sein qui gonfle, et on l'a dit tout à l'heure, si le sein gonfle beaucoup, on peut même être amené à refaire le scanner et à replanifier le traitement en cours de route. Et c'est là qu'on voit que la fuite réduit. Et c'est pour ça qu'on a la fuite, parce que si le sein il gonfle, il continue à être irradié, s'il n'y a plus de fuite, on risque de ne pas irradier un bout du sein. L'œsophagite, alors ça c'est très rare, c'est une inflammation de l'œsophage. C'est très rare, voire quasi inexistant si on traite le sein seul. Mais si on doit traiter les aires ganglionnaires, et en particulier la chaîne mammaire interne ou les aires susclaviculaires, on n'est pas très loin de l'œsophage. Et selon l'anatomie, il y a même des gens qui ont l'œsophage qui passe juste derrière les ganglions de la chaîne mammaire interne. Dans ce cas-là, on peut avoir une petite irritation de l'œsophage avec une sensation de reflux, d'acidité, de brûlure œsophagienne. Et puis la pneumopathie radique, ça c'est très rare, c'est le fait d'avoir une petite inflammation comme la peau ou comme l'œsophage, mais au niveau des poumons, juste en arrière du sein. Et ça, ça se traduit par une toux un petit peu irritative, comme des petites quintes de toux, parfois avec un essoufflement. Les toxicités tardives, alors les toxicités tardives, c'est quand même plus embêtant. C'est plus embêtant parce que c'est pas, aujourd'hui on ne peut pas les prédire. On ne sait pas qui va faire des toxicités tardives. C'est complètement indépendant de la toxicité aiguë. On peut faire beaucoup de toxicité aiguë et pas du tout de toxicité tardive, beaucoup de toxicité aiguë et beaucoup de toxicité tardive, pas du tout de toxicité aiguë et pas du tout de toxicité tardive. Bref, c'est complètement indépendant. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a comme toxicité tardive ? Finalement, c'est une toxicité qui est basée sur le mécanisme d'action des rayons. Les rayons, à long terme, ils peuvent provoquer une fibrose. La fibrose, c'est quoi ? C'est une perte d'élasticité des tissus. Donc, sur la peau, une peau irradiée, on a assez souvent tendance à voir qu'elle est un peu moins élastique avec le temps qu'une peau non irradiée. Et c'est pour ça que petit à petit, avec le temps, le sein irradié, en général, il se tient mieux que le sein qui n'est pas irradié. Moi, j'ai même des patientes qui, 20 ans après, me disent « Vous ne voulez pas faire l'autre côté ?» Parce que quand même, maintenant, c'est un petit peu... Voilà. Donc, on ne le fait pas à visée préventive. On peut faire une chirurgie à visée préventive de l'autre côté, mais pas de la radiothérapie. Et donc, la fibrose cutanée, c'est ça. C'est une perte d'élasticité des tissus. De la même façon, en arrière, il y a le poumon. Donc s'il y a un petit peu de poumon qui est dans le champ d'irradiation, on peut avoir une fibrose pulmonaire. Et donc ça veut dire une perte d'élasticité des poumons à cet endroit-là. Ça peut se traduire par une petite bande blanche qu'on peut voir sur une radio ou sur un scanner, y compris 15-20 ans après, parce que cette fibrose, elle apparaît sans limite dans le temps. C'est plus de 6 mois après la radiothérapie, mais sans limite dans le temps. 15, 20, 30 ans après, ça peut encore apparaître. Le plus souvent, cette fibrose pulmonaire, elle ne donne aucun symptôme. C'est simplement qu'il faut savoir dire « Ah oui, mais il y a 20 ans, j'ai eu de la radiothérapie » pour qu'on n'aille pas vous faire 15 biopsies sur le poumon pour chercher pourquoi il y a cette petite bande de fibrose. Parce qu'en fait, on a l'explication. Pareil, le cœur, s'il est plaqué contre la paroi, eh bien, il peut y avoir une petite bande de fibrose. Et donc, il faut savoir dire « Ah oui, mais j'ai eu de la radiothérapie et c'était du côté gauche. » Et à ce moment-là, on vérifie si ça peut être en rapport. De manière très, très exceptionnelle, cette dose au cœur, elle peut... s'accompagner d'une fibrose qui peut entraîner une irritation au niveau du péricarde, ce qu'on appelle une péricardite. Il peut y avoir un petit peu de liquide autour du cœur. Ça, ça donne des douleurs dans la poitrine. Donc, il faut savoir dire, j'ai eu de la radiothérapie. Un, pour pas qu'on le confonde avec un infarctus ou autre. Deux, pour qu'on arrive à retrouver la cause et à le traiter, puisqu'on a des traitements. On peut donner des corticoïdes, on peut donner de l'aspirine, des choses qui agissent très bien là-dessus. Et puis, au niveau cardiaque, si jamais le volume de cœur est plus important ou si jamais on a une sensibilité particulière, on peut avoir une fibrose du muscle cardiaque et ça, ça peut même entraîner un infarctus. Alors c'est un sur plusieurs dizaines de milliers de cas et dans des situations très particulières. Mais c'est vrai qu'il faut savoir dire, j'ai eu un antécédent de radiothérapie pour savoir ce qui est attribuable à quoi. Ça, c'est plutôt pour le sein gauche parce qu'en général, notre anatomie fait que le cœur il pointe à gauche. Mais quand on traite, par exemple, les aires ganglionnaires de la chaîne mammaire interne, si on a un cœur un petit peu plus central, ça peut aussi être le cas du côté droit. Voilà. Oui.
Voilà. Donc effectivement, les zones qui s'épaississent peuvent se désépaissir, hein, et typiquement le massage, le fait d'assouplir les tissus, ça aide beaucoup. Pareil pour le lymphœdème, le fait de masser avec le kiné, de faire les exercices, ça peut aider. Donc il y a vraiment des choses à faire, donc il ne faut pas hésiter à poser la question. Et après, bah, parfois, ce n'est pas forcément complètement réversible et on garde quand même une zone plus épaissie qui est comme une cicatrice du traitement, mais qui n'a aucune incidence, aucune gravité. La seule chose, c'est que ça peut être plus ou moins esthétique. Parfois, ça peut être un petit peu gênant. Parfois, ça peut s'accompagner de douleurs, volontiers des petits élancements comme des petits coups d'aiguille sous la cicatrice. Ce n'est pas grave du tout, c'est la cicatrice qui travaille. Mais selon les femmes, bah, ça peut être des sensations plus douloureuses que pour certaines que pour d'autres. Voilà. Ah, et ben ça, c'est sans limite dans le temps. 20, 30, 40 ans après, on peut toujours avoir un risque cardiovasculaire. Donc, il faut savoir dire toujours qu'on a eu un antécédent de radiothérapie si jamais il y avait un événement. C'est très rare que ce soit lié à ça, mais ça peut. Et surtout, s'il y a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, je vais vous montrer quelque chose de très important. Alors, juste pour les toxicités cutanées, voilà un petit peu le type de réaction. En début de traitement, ben, on a très peu, vous voyez là, le bleu du ganglion sentinelle dont on parlait tout à l'heure. Voilà, la peau n'est pas rouge, finalement il y a une cicatrice qui est assez peu visible, bon, il y a un sein qui a une taille un petit peu plus petite que l'autre. Pendant la radiothérapie, et en particulier en fin de radiothérapie, on peut voir le champ d'irradiation, vous voyez cette rougeur. En principe, ça fait pas mal, ça peut démanger un petit peu, et donc c'est pour ça qu'on peut recommander de mettre des crèmes hydratantes, mais ça c'est tout l'intérêt de la consultation hebdomadaire, où on va vous prescrire ça si la peau rougit, si elle ne rougit pas, il n'y aura pas besoin. Et le plus souvent... Alors oui, c'est efficace. En préventif, ça n'a jamais montré, il n'y a jamais eu d'intérêt de mettre une crème en préventif, clairement démontré scientifiquement. Il y a quelques études, notamment avec l'aloe vera, avec des traitements d'homéopathie, mais qui n'a jamais été randomisé, c'est-à-dire qu'on n'a jamais tiré au sort les patientes pour vraiment comparer les deux bras. Donc voilà. En tout cas, c'est important, si jamais vous souhaitez mettre quelque chose, de bien en parler avec l'oncologue radiothérapeute avant de le mettre. Et comment ? Ah, au préventif ? Ah, ben, il y a peu de données dans la littérature. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas en mettre juste avant, parce que ça, on a des données, on sait que ça aggrave. À distance, ça peut soulager. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas des niveaux de preuve très solides. C'est vrai. Donc, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème pour en mettre après. Et puis, il y a des gens chez qui ça marche très bien. Il y a des gens chez qui ça marche moins bien, mais on n'a pas tous la même peau. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une grande variabilité entre les individus, bah c'est difficile de démontrer les choses scientifiquement. Et à la radiothérapie ? Alors, l'épaississement de la carotide, le plus souvent, il est lié à des facteurs cardiovasculaires, à du cholestérol, éventuellement au tabac. Mais quand même, la radiothérapie, si elle a concerné la région où se trouve la carotide, donc si elle a concerné l'aire susclaviculaire, elle peut effectivement provoquer un épaississement de la carotide. Oui, c'est une possibilité. Alors ça se surveille, parce que quand il y a des dépôts importants, on peut être amené à déboucher la carotide ou à la surveiller de près, à éventuellement donner de l'aspirine, un petit peu comme les gens qui ont du cholestérol ou qui ont du tabac et qui risquent sinon de faire un accident vasculaire. Donc, il ne faut surtout pas fumer. Donc, en général, un mois après, les marques disparaissent ou quasiment. On peut voir un petit peu encore les limites. Et puis, 12 mois après, vous voyez qu'on voit pratiquement plus rien chez cette dame. Maintenant, ça dépend beaucoup des patientes. Il y a des patientes, le plus souvent, c'est environ un mois, mais il y a des patientes, c'est 6 mois. Il y a des patientes, c'est 1 an. Il y a des patientes, même au-delà, on a encore des marques. Mais classiquement, ça finit par disparaître. Alors, en tardive, alors ça, c'est les toxicités cutanées aiguës. Donc, vous voyez, c'est encore des rougeurs de la peau qui marquent le champ. Parfois même, ça peut aller jusqu'à peler. C'est pour ça que les gens parlent de brûlure. Tout ça, ça va cicatriser. Si c'est sec et rouge, on a tendance à mettre de la crème. Mais je suis désolée pour les photos, c'est un petit peu... Si ça pèle, à ce moment-là, on met des lotions asséchantes parce qu'il ne faut pas que ça suinte et que ça macère. Hein. Ensuite, à long terme, on peut avoir ce qu'on appelle des télangiectasies, c'est-à-dire des petits vaisseaux à la surface de la peau. Parfois, les gens ont ça spontanément sur les joues. Eh bien, dans une zone qui a été irradiée, on peut voir apparaître même plusieurs années après des petits vaisseaux. Ça n'a aucune espèce de gravité. C'est vraiment sans conséquence. C'est complètement indolore. Simplement, on voit apparaître les petits vaisseaux sous la peau. Donc, il faut savoir que ça peut être lié à la radiothérapie et pas s'affoler, pas penser que c'est une récidive ou que sais-je.
Aujourd'hui, les dermatos travaillent pas mal là-dessus parce que quand c'est un petit peu important, là, comme sur la photo, ça peut gêner sur le plan esthétique. Et donc, les dermatos, avec le laser, arrivent à effacer un peu les télangiectasies. Ce n'est pas encore complètement optimal, mais ça permet d'en faire disparaître pas mal. Le plus souvent, il n'y en a pas. Quand il y en a, c'est volontiers dans les zones de frottement, donc plutôt sous le sein. Donc, c'est souvent assez discret, mais ça dépend des patients. Ensuite, la fibrose de la glande mammaire, ça se traduit comme ça. Vous voyez, un sein fibreux, il peut être un petit peu plus petit que l'autre, un peu plus remonté que l'autre. Vous voyez que là, les mamelons, ils ne sont pas tout à fait à la même hauteur. Alors, bien sûr, il y a l'effet de la chirurgie, parce qu'on a retiré une partie du sein, donc le sein, il est plus petit. Mais il y a aussi l'effet de la radiothérapie qui fait que ça se fibrose. Voilà. Et oui, il y a effectivement un effet des deux. Hein. Voilà. Et c'est vrai que sur la fibrose du sein, on n'a pas beaucoup de médicaments qui fassent réverser la fibrose. Donc aujourd'hui, classiquement, le traitement esthétique qu'on propose dans ces cas-là, c'est de réduire un petit peu la taille de l'autre sein, si ça gêne sur le plan esthétique. Alors, ça, c'est un point important dont je voulais vous parler, c'est la toxicité cardiaque. Donc on a dit tout à l'heure qu'on est capable de limiter la dose au cœur pour éviter la toxicité cardiaque, qu'on a des tolérances, on sait que le cœur il tolère très bien certaines petites doses sans toxicité, mais que si on dépasse ça, on a un risque de toxicité. Comment on le sait? Eh bien, on le sait d'après ces études qui ont été publiées par Sarah Darby, qui en fait a repris des dossiers de patients traités depuis les années 70 et qui a regardé quand on ne faisait pas de radiothérapie et quand on faisait de la radiothérapie, quel était le risque cardiaque. Et elle a montré que chez les patients chez qui on ne faisait pas de radiothérapie, il y avait le même risque cardiaque que dans la population générale, alors que quand on faisait de la radiothérapie, au début, il y avait le même risque que dans la population générale, mais 10-15 ans après, il y avait quand même un petit sur-risque de toxicité cardiaque. Ce qui était vrai pour les patientes traitées dans les années 70. Mais déjà dans les patientes traitées dans les années 80, eh bien à 10 ans, il n'y a plus ce sur-risque. Et dans les patientes traitées dans les années 90, c'est encore moins vrai. Et donc, du coup, ça tend à dire qu'avec l'amélioration des techniques de radiothérapie, on a réduit le risque de complications cardiaques. Il y a quand même un paramètre, pour être tout à fait honnête, qui a évolué aussi sur toutes ces années, c'est les traitements faits par les cardiologues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cardiologues ont des traitements très efficaces dans le cas d'un infarctus et que dans les années 70, quand on faisait un infarctus, on était quasiment sûr d'en mourir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'infarctus dont on guérit tout à fait, avec après un aspect JKV, des traitements, voilà. Donc, du coup, il y a à la fois l'effet de l'amélioration des traitements cardiaques et l'effet de l'amélioration des techniques de radiothérapie. Mais ce qui est très important, c'est de regarder ce graphique. Ce graphique, il y a deux parties. On va d'abord regarder ici la partie des patients qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire ceux qui ne fument pas, ceux qui ne sont pas obèses, ceux qui n'ont pas d'hypercholestérolémie, etc. Et on voit que si on leur donne 0 gray en dose moyenne au cœur, ils ont un risque d'événement coronarien qui est ici. Si on leur donne 3 gray en dose moyenne au cœur, ils ont un risque d'événement coronarien, donc de problème cardiaque, qui est un petit peu plus élevé. Et si on leur donne une dose moyenne au cœur de 10 gray, ils ont un risque coronarien qui est plus élevé. Donc plus la dose moyenne au cœur est élevée, plus on a un risque de toxicité au niveau du cœur. Donc il faut limiter au maximum la dose moyenne au cœur. Il faut la rendre aussi basse que possible. Mais attention, regardez bien maintenant les courbes du haut. Si vous prenez ici les patients qui ont un facteur de risque cardiovasculaire au moins, un seul, le tabac, ou l'hypercholestérolémie, ou la surcharge pondérale, ou celui qui ne fait pas du tout d'activité sportive, eh bien, à ce moment-là, vous voyez que celui qui reçoit 0 gray en dose moyenne au cœur, il est déjà plus à risque avec ce seul facteur que celui qui reçoit 10 gray en dose moyenne par la radiothérapie. Donc, même sans aucune dose au cœur, un seul facteur de risque cardiovasculaire entraîne beaucoup plus de problèmes cardiaques que la radiothérapie, même en donnant de fortes doses au cœur. Vous me suivez? Donc, la première consigne, quand on voit les gens, c'est de leur dire, s'ils fument, d'arrêter de fumer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous ne fumez pas, c'est très bien, et surtout, ne commencez pas. Pourquoi? Parce que non seulement les facteurs de risque cardiovasculaire, ils sont encore plus graves que la radiothérapie, mais ils s'additionnent avec la radiothérapie. C'est-à-dire que si vous avez 3 gray en dose moyenne ou 10 gray en dose moyenne au cœur et que vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire, là, vous augmentez d'autant votre risque. Donc, et c'est peut-être pour ça qu'on vous a recommandé l'histoire de la surveillance cardiaque. Si jamais
on cumule le fait d'avoir eu besoin d'une radiothérapie et le fait d'avoir des facteurs de risque cardiovasculaire comme par exemple l'hypercholestérolémie, et ben à ce moment-là, il va être très important de traiter l'hypercholestérolémie et éventuellement de surveiller et de donner quelque chose pour faire baisser le cholestérol. Voilà. Parce qu'on a ce risque. Donc, attention chez les gens qui ont un facteur de risque cardiovasculaire à bien contrôler les choses. Alors, si c'est une toute petite hypercholestérolémie, on n'a pas forcément besoin de la traiter. Mais en tout cas, il va falloir la surveiller et il va falloir adapter le régime alimentaire, etc., l'hygiène de vie, pour faire en sorte que on réduit ce facteur de risque et on est beaucoup plus efficace en réduisant ce facteur de risque-là qu'en agissant sur la radiothérapie. Oui. Alors, ça figure dans votre dossier de radiothérapie. Simplement, c'est des données qui sont quand même assez techniques. Parce que c'est les graphiques que montrait Guillaume Ozac tout à l'heure, vous voyez. Et donc, ça se traduit dans des choses qui sont très techniques, qui sont par exemple la V20 du poumon à 10%. Et donc, en fait, on va regarder plutôt la V20 du poumon à 10 degrés. Donc, on va regarder quel est le pourcentage de poumons qui reçoit une dose supérieure ou inférieure à 10 degrés. Et donc, on va vous donner des choses qui sont des paramètres qui sont très techniques. Donc, de donner ce compte-rendu comme ça, c'est assez indigeste, ça peut plutôt affoler les gens. On en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur je reçois le SMS et j'ai aucune information. Mais si je reçois le compte-rendu comme ça, c'est ça. C'est comme le compte-rendu à Napat, des fois on ne comprend rien du tout. Donc voilà, il y a toute la discussion. Ce compte-rendu, il est complètement disponible dans votre dossier médical. Ici, on a pris le parti d'envoyer systématiquement au médecin correspondant, donc soit le généraliste, soit le gynécologue, soit les deux, le compte-rendu de la radiothérapie, qui est un résumé du compte-rendu de la radiothérapie, et le donner au patient s'il le demande. On ne le donne pas systématiquement, on l'envoie systématiquement au médecin, on ne le donne pas systématiquement au patient, mais on le donne s'il demande. Et c'est un résumé, c'est-à-dire qu'on reprend l'indication, on reprend les doses, on explique les volumes, on ne donne pas forcément tous les détails techniques, mais on marque bien dans le compte-rendu que si pour une raison quelconque, il y a le souhait ou le besoin d'avoir tout le dossier technique, il peut être demandé. Et à ce moment-là, on donne même des copies des faisceaux, les tailles de champ, les tailles des lames, etc. Et quand est-ce qu'on fait ça? Eh bien, quand il y en a besoin. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a besoin de refaire de la radiothérapie un jour ou l'autre, eh bien, il faudra tenir compte de la dose qui a déjà été délivrée. Et à ce moment-là, il y a besoin de pouvoir récupérer ce dossier technique. Et donc, il est même médico-légal de conserver dans votre dossier tous ces éléments-là, pour être sûr que si jamais un jour, soit il y a un problème cardiaque, on puisse vérifier quelle était la dose de radiothérapie, soit il y a une récidive et il y a besoin de refaire un traitement, on puisse savoir quelle était la dose délivrée et pouvoir faire la somme des doses. On va terminer assez vite. Alors, les risques aux poumons. Donc, quand on irradie, on a dit qu'il nous faut une petite fuite, il nous faut de la place en avant si le sein gonfle, et puis on respire, donc le sein il va bouger d'avant en arrière. Donc, il y a une petite languette de poumon qui va quand même être irradiée. Et donc, cette petite languette de poumon irradiée, elle peut donner ce qu'on a appelé une pneumopathie radique, cette toux dont je vous ai parlé, qui est très rare, mais qui peut survenir pendant la radiothérapie. Et puis, en tardif, on peut avoir cette petite bande de fibrose. Voilà comment ça peut se manifester sur le scanner pour, je crois que la dame est partie, une dame qui posait la question tout à l'heure de est-ce qu'on pouvait voir quelque chose sur l'imagerie à distance. Parfois, on peut voir ça. Ça, c'est complètement asymptomatique, on ne s'en rend pas du tout compte, on peut toujours courir le 100 mètres aussi vite, mais simplement, sur la radio ou sur le scanner, on peut le voir. Donc, il faut savoir dire, ah oui, mais j'ai eu un antécédent de radiothérapie, pour pas qu'on s'étonne de voir quelque chose. Voilà. Alors, il y a plein de choses qui peuvent donner une toux, mais c'est vrai qu'il faut éliminer que ça puisse être en rapport avec la radiothérapie, éventuellement faire de la kiné respiratoire, éventuellement, parce que même si c'est lié à la radiothérapie, à ce moment-là, on peut avoir des traitements. Ben oui. Donc ça, il faut voir un pneumologue. On envoie au pneumologue tout le compte-rendu de la radiothérapie et on voit avec lui quels sont les paramètres. Il y a peut-être d'autres choses qui font qu'il y a ça. Et ben, si ça persiste, on vous enverra voir le pneumologue. Alors, si ça peut être transitoire, parce qu'en plus, là, on est en hiver, on a tous 50 raisons de pouvoir tousser, d'avoir une toux irritative. Ouais. Donc, voilà, si vraiment ça persiste ou que vraiment c'est invalidant, effectivement, à ce moment-là, on fait les explorations nécessaires. Éventuellement, on met les gens sous corticoïdes pour faire réverser cette toux, parfois sous antibiotiques. Voilà. Et bien, très bien, vous allez voir si avec ça se réduit ou pas. Ouais, ça, c'est un bon test thérapeutique. Alors, dans le sein? Ah oui, ça c'est normal.
même 20 et 30 ans après, vous pouvez en avoir. Les cicatrices, même après, oui, oui. Comme des piqûres. Ça, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à le dire, mais en réalité, c'est toutes les cicatrices qui peuvent faire ça. Les gens qui, par exemple, ont une prothèse de hanche, ils connaissent très bien ça, parce qu'ils savent que de temps en temps, la douleur, elle se réveille. Ben, faut bien vous dire qu'une hanche, c'est moins sensible qu'un sein. Le sein, c'est quand même un organe qui est extrêmement sensible, et donc toute cicatrice au niveau du sein, eh ben, elle peut avoir elle peut provoquer des sensations douloureuses. Alors, c'est à la fois la chirurgie et la radiothérapie, c'est les deux. Mais on peut le voir simplement avec la chirurgie. D'ailleurs, il y a des femmes qui, avant même de commencer la radiothérapie, ont déjà ces sensations. Et la combinaison des deux favorise ça aussi. Et en fait, on le sent davantage, en général, à certaines occasions. Ça peut être, par exemple, au changement de temps. Quand il fait plus froid, plus humide, on commence à sentir. Il y a des périodes où on ne le sent pas du tout, et on oublie un petit peu, et hop, il se met à faire froid à nouveau, et là, la salle de consultation de radiothérapie se remplit de gens qui viennent en urgence parce qu'ils ont senti quelque chose qu'ils ne sentaient pas jusque-là. Bah, il vaut mieux venir. Typique. Quand on est stressé, quand on a fait un effort, quand on a porté un petit peu plus lourd, quand on est un peu plus fatigué, voilà, tout ça, ça joue, effectivement. Et puis, quand on a commencé à identifier ces douleurs-là, bah, on les connaît, on sait quand elles reviennent que, ah bah oui, c'est la cicatrice qui travaille. Voilà. Bah, de rien. Alors, actuellement, il y a deux concepts qui ont changé les pratiques. Je vous ai dit l'hypofractionnement et l'irradiation partielle accélérée. Alors, l'hypofractionnement, c'est le fait de faire des doses un petit peu plus fortes par séance et moins de séances au total. Et on a trois grands essais qui ont clairement démontré que chez les femmes ménopausées, avec des facteurs de bon pronostic et sans atteinte ganglionnaire, eh bien, de faire 50 grès en 25 séances sur 5 semaines, c'était exactement la même chose que de faire 15 ou 16 séances sur 3 semaines. Et ça, avec plus de 10 ans de recul. Là, vous voyez, on est sur plus de 600 patientes dans chaque bras, mais dans les essais anglais, on était à plus de 2200 patientes dans chaque essai. Et les deux essais montrent qu'on a strictement la même chose en termes de survie et en termes de risque de rechute. Ça, c'est les résultats à 5 ans, mais ils ont été confirmés à 10 ans. Donc aujourd'hui, pour toutes les femmes ménopausées, alors en France, on est resté sur 60 ans parce que l'âge de la ménopause, c'est un petit peu variable d'une femme à l'autre, mais on pourrait même faire avant. Qui n'ont pas d'atteinte ganglionnaire et qui ont des facteurs de bon pronostic, le standard, c'est plus de faire 5 semaines plus une semaine et demie de boost, c'est de faire seulement 3 semaines de radiothérapie. Et donc ça a été un grand changement en radiothérapie. Et c'est vrai que classiquement, l'oncologue médical ou le chirurgien, il n'a pas forcément en tête tous ces éléments-là. Il nous arrive d'avoir des patientes qui arrivent et disent « Ah, mais moi, on m'a dit que j'allais avoir 6 semaines et demie de radiothérapie. Pourquoi vous n'en faites que 3 ?» Et les gens ont l'impression qu'ils vont avoir un sous-traitement ou je ne sais pas quoi. Voilà. En fait, non, il y a... Ah, ou l'inverse, exactement. Donc, c'est vrai que c'est important d'en discuter avec votre oncologue radiothérapeute qui est celui qui vraiment va choisir le traitement de radiothérapie en fonction des données. Voilà. Donc, ça, c'est très important de discuter. Mais maintenant, on a un niveau de preuve tout à fait suffisant pour ça. La question... C'est qu'en est-il des femmes qui ne sont pas encore ménopausées ou qui ont une atteinte ganglionnaire? Et en fait, il y a toutes les raisons de penser que pour ces femmes aussi, on pourrait tout à fait faire 3 semaines et non pas 5 semaines. Et en Angleterre comme en Hollande, les référentiels ont changé parce que dans les essais que je vous ai cités, il y avait à peu près 12 à 20% des patientes, selon les essais, qui avaient soit eu une mastectomie, donc on avait retiré le sein en totalité, soit eu une atteinte ganglionnaire, soit étaient plus jeunes que 45 ans. Et pour toutes ces patientes-là, le résultat était le même. Donc c'est vrai qu'en France, on a considéré qu'on ne pouvait pas conclure juste avec ces éléments-là parce que ces essais-là, ils n'avaient pas été pensés initialement pour ces patientes-là. Et que ces patientes-là ne concernaient qu'une partie des patientes de l'étude. Donc, statistiquement, on n'avait pas la puissance pour répondre à la question chez les patientes qui avaient une atteinte ganglionnaire. Et donc, on a dit, il faut, pour avoir le niveau de preuve suffisant pour le démontrer, faire un essai spécifique chez des patientes à partir de 18 ans avec atteinte ganglionnaire. Et donc, c'est l'essai HypoG qu'on a démarré il y a maintenant un peu plus d'un an, qui prévoit d'inclure 1012 patientes. On a déjà 250 patientes d'inclus et qui tire au sort les patientes, parce que c'est la seule façon de ne pas avoir de biais. Ce n'est pas la patiente qui décide, ce n'est pas le médecin qui décide. Entre un traitement classique, 50 grès en 25 séances, plus ou moins le boost s'il y a besoin de faire le boost, et un traitement 40 grès en 15 séances, donc sur 3 semaines, plus ou moins le boost s'il y a besoin de faire le boost. Voilà.
Et donc, c'est un protocole qui, je l'espère, nous permettra de conclure et donc de bien définir les indications de 40 grammes en 15 séances. Mais pour l'instant, alors il est un peu tôt parce que forcément, c'est des femmes qu'on va suivre pendant 10 ans. Alors, non, le temps de séance, il est à peine augmenté parce qu'en fait, le débit de l'appareil fait que le temps, il n'est pas vraiment augmenté. Mais la dose, elle est un petit peu augmentée. Vous voyez qu'ici, on donne 2 grays à chaque séance. Ici, on donne 2,67 grays. Alors, vous allez me dire, en tout cas, c'est souvent ce qu'on nous dit en consultation, mais attendez, là, on me fait 50 grays, là, on me fait que 40 grays. Donc, on me donne moins de grays, donc j'ai moins de dose. En fait, non. Parce qu'on donne une dose plus forte à chaque séance, ça veut dire que l'effet biologique est plus fort et qu'en réalité, 40 grays sont équivalents à 50 grays. Simplement parce qu'à chaque séance, en fait, on va casser plus de brins d'ADN. Donc, la cellule, elle va avoir plus de mal à réparer. Donc, on va avoir une efficacité biologique qui va être équivalente. Donc, en réalité, 40 égale 50. Alors, c'est toute la question. Le fait d'augmenter par la dose par séance, au départ, on se disait, ah, ça va augmenter l'efficacité. Mais peut-être ça peut augmenter la toxicité. Et c'est pour ça qu'il y a eu tous ces essais-là. Et c'est pour ça qu'avec plus de 10 ans de recul, ces femmes, elles sont bien, bien, bien suivies, qu'on regarde toutes les toxicités cardiaques, pulmonaires, cutanées, etc. Et qu'on a vu qu'il n'y avait pas plus d'effets secondaires, qu'il y en avait peut-être un petit peu moins. Voilà. Donc c'est tout aussi efficace et peut-être même un petit peu moins toxique. Et donc c'est pour ça qu'on veut l'évaluer chez toutes les femmes, parce que c'est probablement le protocole d'avenir. Et on aura probablement très peu d'indications à l'avenir où on fera 5 ou 6 semaines et demie. On pourra, pour la majorité des patientes, passer à 3 semaines. Alors, il va nous falloir un petit peu de temps pour démontrer ça, parce que bien sûr, les patientes, il faut les suivre longtemps. Heureusement, elles vont bien. Donc, le suivi, il est très long pour pouvoir conclure. Alors, voilà, aujourd'hui, alors ça, c'était en novembre. Et aujourd'hui, on est à 250 patientes. Donc, vous voyez que ça augmente très vite. On était à 18 centres actifs. Là, on est à 22 centres actifs. Et on a une trentaine de centres qui sont candidats pour participer. Vous voyez qu'à Gustave Roussy, là maintenant, je crois qu'on est à 76 patientes inclus. Il y a l'Institut Curie, il y a le Centre Léon Bérard à Lyon, Paul Strauss à Strasbourg, voilà, Curie, Eugène Marquis à Nantes, etc., Dijon, blabla. Donc il y a toute la France qui participe pratiquement. Donc ça, c'est l'hypofractionnement, des doses un petit peu plus fortes par séance. Il y a un autre concept qui est l'irradiation partielle. Je vous ai dit, dans certains cas, petite tumeur, bien limitée, pas d'atteinte ganglionnaire, le risque de récidive, il est essentiellement là où se trouvait la tumeur au départ. Et dans ces cas-là, on peut se contenter d'une irradiation juste focalisée à l'endroit où se trouvait la tumeur. Ça concerne un petit nombre de patientes, mais c'est quand même important de pouvoir personnaliser les traitements. Et s'il y a des patientes qui peuvent bénéficier d'un traitement encore plus limité, eh bien, autant le savoir. Et donc, il y a différentes études. Pendant l'intervention, on retire la tumeur et dans le lit chirurgical, dans le trou laissé par le chirurgien, on descend un appareil de radiothérapie pour irradier l'endroit à risque. Ou alors, on met un petit ballonnet dans lequel on envoie une source radioactive pour irradier l'endroit à risque. Ou alors, on met une boule. Ça, c'est l'appareil qui a fait le journal de France 2 et qui va permettre d'irradier, en fait, la cavité opératoire. Ou alors, on met des aiguilles de curithérapie. Ou alors, on le fait avec de la radiothérapie externe en post-opératoire. Ça, c'était, par exemple, ce qui a été fait dans le protocole CHER ou dans le protocole PAPBI ou dans le protocole IPA, ici, pour s'il y en a qui ont participé. Les optimisations techniques. Eh bien, je vous parlais de nos machines là, et des différentes techniques sur les machines. Aujourd'hui, nos machines, elles ont toutes une imagerie embarquée, soit 2D, soit 3D. Donc, vous voyez, soit un petit système qui se déploie ici en dessous. Le rayon va sortir par ici, va traverser le patient, on va le récupérer ici. Comme ça, on va pouvoir identifier ce que le rayon a traversé, être sûr qu'il a traversé au bon endroit. Et même, il y a des systèmes de mesure de la dose qui sont en train de se développer pour pouvoir vraiment avoir avec précision la dose qui ressort du patient et savoir exactement quelle est la dose qui a traversé le patient pratiquement en temps réel. Et puis, on a d'autres systèmes d'imagerie qui peuvent tourner autour du patient et nous donner des images comme des coupes scanner de la zone que l'on irradie. On a aujourd'hui, et c'est ce que disait Gaëlle, des systèmes d'imagerie surfacique. Et ça, on n'est pas beaucoup de centres en France à l'avoir. On vient de l'installer ici à l'IGR. C'est une sorte de caméra infrarouge qui va venir balayer la surface du corps pour créer une image corporelle, une image de la surface du corps. Et cette image de la surface, on va la projeter sur le patient pendant le traitement. De ce fait, si le patient est exactement dans la même position, les deux images sont superposées. Et donc, tout le patient s'illumine en vert. Et si le patient
respire, tousse, bouge et qui sort et que les deux images ne sont plus superposées, eh bien, il y a une partie qu'on va voir en bleu, par exemple, et non plus en vert. Et donc, hop, cette différence de coloration va interrompre le faisceau de traitement. Et là, ce ne sera plus le manipulateur qui, en surveillant, appuie pour arrêter si le patient bouge. C'est automatiquement l'appareil qui, en plus du manipulateur qui surveille le traitement de l'extérieur, va aussi être en capacité d'arrêter la machine ou de reprendre le traitement en fonction des mouvements. Ensuite, on a aussi, voilà, dans la tête de l'appareil, je vous ai dit, c'est plus une fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme, c'est des petites lames. Et les lames, on leur donne la forme qu'on veut pour irradier la zone qu'on veut. Ces lames, elles peuvent même bouger pendant le traitement. Et donc, elles peuvent même moduler l'intensité du faisceau, délivrer des doses différentes pendant une même séance, de façon à s'adapter à l'épaisseur qu'on doit traverser. Parce que le sein, il n'a pas la même épaisseur si je dois traverser tout ça que si je dois juste traverser le bout de mon sein. Et donc, de ce fait, on va pouvoir ajuster la dose à délivrer en fonction de l'épaisseur à traverser. C'est ce qu'on appelle la modulation d'intensité. C'est RCMI, radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité, ou IMRT en anglais, Intensity Modulated Radiotherapy. Voilà ce que ça donne. Finalement, quand on module l'intensité, on va arriver à avoir une dose qui s'adapte tout à fait à la forme du volume qu'on veut traiter. Quand on le fait en 3D classique, on va avoir une dose qui couvre tout à fait bien le sein, mais avec des zones un petit peu plus chaudes, c'est-à-dire avec un petit peu plus de dose, et des zones avec un petit peu moins de dose. Et donc, de ce fait, on peut avoir un petit peu plus de rougeur en interne ou en externe. Quand on fait la modulation d'intensité, eh bien, on va pouvoir atténuer ces points chauds et ces points froids, éventuellement creuser la dose là sur le poumon. L'avantage, c'est que ça peut nous permettre de réduire la dose au tissu sain. L'inconvénient, c'est comme la dose, elle décroît très vite. Si on bouge ou on respire ou le sein gonfle pendant la séance, eh ben, on peut sous-doser certaines zones. Donc, ce n'est pas du tout une technique qui peut s'appliquer à tout le monde. C'est une technique qui est vraiment utile dans certains cas très particuliers. Et ça rejoint ce qu'on vous disait tout à l'heure de personnaliser le traitement en fonction des besoins de chacun. Ça, c'est notre système d'inspiration bloqué. Je vous avais promis les photos. Voilà. On a le spiromètre dans la bouche, les lunettes qui affichent en fait ce que le manipulateur voit à l'écran. On va demander au patient d'inspirer, d'expirer, puis au bout d'un moment, on va lui demander d'inspirer et de bloquer. Et quand on bloque, on éloigne bien le sein, en fait, puisqu'on a tous les poumons gonflés. Et donc, du coup, on va irradier pendant la période où le patient bloque sa respiration. Et quand le faisceau est terminé, on lui dit de re-respirer. Et à ce moment-là, on peut recommencer pour le faisceau suivant. Voilà. Donc ça peut être utile dans certaines anatomies particulières. Encore une fois, c'est vraiment pas nécessaire chez tout le monde. Et puis, c'est vrai que tout le monde n'arrive pas forcément à suivre ses consignes et à bloquer la respiration. Donc, ouais. Donc, on peut faire des petites séquences plus courtes, mais parfois, si on n'arrive pas, on est obligé d'utiliser d'autres techniques comme la modulation d'intensité. C'est pour ça que c'est justement important d'avoir tout un panel de machines différentes pour répondre aux différentes anatomies, aux différents besoins des patients. Voilà, pour cette dame, vous voyez que le cœur, il était quand même très collé ici à la paroi et que quand on est en inspiration bloquée, on a complètement éloigné le cœur de la paroi, il n'est plus du tout dans le faisceau de traitement. Voilà, donc on arrive très très bien à réduire la dose au cœur. Ici, une autre image d'une autre patiente, vous avez les petits clips de la chirurgie, la tumeur, elle était ici initialement, là, elle a été retirée. On veut donc bien traiter cette zone-là et le cœur, il est collé complètement juste derrière. Alors, on la met en inspiration bloquée et hop, le cœur, il est refoulé vers l'intérieur du thorax. Et du coup, on peut tout à fait traiter cette partie-là sans donner de la dose au cœur, ou très peu. Alors, dernier point, c'est la stéréotaxie. C'est donc une radiothérapie très précise avec de nombreux faisceaux pour des petits volumes, en particulier pour traiter des métastases. En fait, il y a quelques années, on considérait qu'à partir du moment où on était métastatique, eh bien... le pronostic était engagé et que de toute façon, on n'arriverait plus à guérir de la maladie et que l'objectif, c'était finalement de contenir l'évolution de la maladie pour éviter qu'elle s'aggrave et pour éviter que les métastases se multiplient. Aujourd'hui, ça reste vrai dans un certain nombre de cas et on a des traitements qui peuvent contenir les métastases 5, 10, 15 ans et on peut tout à fait vivre avec des métastases et ne pas mourir du tout de l'évolution de sa maladie. On a des traitements qui sont très efficaces. Mais on sait qu'il y a aussi un certain nombre de métastases qui peuvent évoluer et s'aggraver, et y compris provoquer une généralisation de la maladie et le décès du patient. Donc on a voulu développer des techniques quand les métastases apparaissent pour essayer de traiter toutes ces métastases et de ramener le patient dans une situation pseudo-curatrice où on arrive à se débarrasser de toute la maladie, un petit peu comme dans le cancer du sein quand il est détecté tôt et qu'on peut retirer la tumeur et qu'on se débarrasse de tout ce qui est cancéreux. Et donc, on a mis en place un essai thérapeutique qui a pour objectif, en fait,
de comparer le traitement actuel qui est de faire seulement la chimiothérapie ou la hormonothérapie ou le traitement systémique quel qu'il soit chez ces patients, ou alors de faire ce même traitement mais de précéder ce traitement d'une radiothérapie qui va aller irradier toutes les métastases. Alors c'est faisable dans ce protocole jusqu'à 5 métastases pour traiter de manière radiochirurgicale, c'est-à-dire avec des fortes doses sur des petits volumes et faire disparaître ces métastases. Et donc c'est ce qu'on fait avec nos appareils comme le Novalis ou comme le CyberKnife, qui sont des appareils qui vont pouvoir faire un grand nombre de faisceaux qui vont tirer sur la lésion de façon à avoir la somme des doses sur la lésion et très peu de doses autour, que ce soit par exemple à l'intérieur du cerveau, sur un os, voilà. Et il faut imaginer qu'en fait, en faisant une multitude de faisceaux, chacun des faisceaux, si par exemple vous faites n'importe quoi, 30 faisceaux, eh bien vous allez diviser la dose par 30. Donc chaque zone saine traversée va recevoir un 1/30 de la dose, alors que sur la tumeur, vous allez avoir la somme de toutes les doses. Donc vous allez vraiment arriver à des doses thérapeutiques et autour à très peu de doses. Et c'est comme ça qu'on arrive à éliminer des petites lésions. Alors, ça, c'est ces appareils peuvent faire comme une sorte de couronne d'épines, tellement on fait de petits faisceaux autour. Et le CyberKnife, qui est ce robot articulé, il va pouvoir faire plutôt comme un hérisson, c'est-à-dire qu'on va avoir des pics dans tous les sens, et pas seulement dans un plan, mais vraiment dans les trois plans de l'espace, comme une sphère de petits faisceaux qui vont venir confluer sur la zone à traiter. Et donc, on va arriver comme ça à détruire des lésions. Et puis, il y a ce qu'on discutait un petit peu, c'est pas seulement des progrès balistiques et techniques, c'est aussi les progrès de la biologie et aussi la possibilité d'identifier en fait quelle est la radiosensibilité de la tumeur, quelle est la radiosensibilité des dissucins et comment on peut faire pour mieux sélectionner nos patientes en fonction de leur niveau de risque. Et aujourd'hui, on a la possibilité de faire des profils génétiques pour savoir si oui ou non il faut faire la chimiothérapie quand on est dans une situation un petit peu d'hésitation. On a certains tests génomiques qui disent « Ah bah oui, mais les gens sont à haut risque, il faut leur faire la chimio, les gens sont à bas risque, il ne faut pas leur faire la chimio. » Et bien, on essaie de développer le même type de tests génomiques pour la radiothérapie. Et puis, on a aussi développé des protocoles pour essayer de réduire la fibrose. Et on s'est aperçu ici au laboratoire que quand on prenait des souris, alors on a été obligé d'utiliser des souris parce qu'effectivement, on ne pouvait pas utiliser des hommes pour ça, et que les souris avaient une irradiation au niveau abdominal, il y avait une fibrose intestinale qui se créait. C'est-à-dire que là, vous voyez une épaisseur normale d'intestin, et quand on irradie, bien, on a cette épaisseur là des tissus sous-cutanés, des tissus en dessous des villosités muqueuses qui devient plus large, plus épais, plus fibreux. Et chez les souris contrôle, eh bien, on avait une épaisseur qui persistait après la radiothérapie, avec une fibrose qui persistait après la radiothérapie, alors que chez les souris traitées par pravastatine, qui est un médicament qui fait baisser le cholestérol, eh bien, on avait une réduction de cette fibrose. Et donc, on a voulu évaluer si c'était vrai seulement chez la souris. Alors d'abord, on a fait ça sur des cellules, on a montré que ça marchait sur les cellules. Ensuite, on a fait ça sur les souris, on a montré que ça marchait sur les souris. Et ensuite, on s'est dit, il va peut-être falloir passer chez l'homme et voir si on peut réverser la fibrose chez l'homme. Il se trouve qu'en radiothérapie, l'un des traitements de radiothérapie qui donne le plus de fibrose, c'est les traitements de radiothérapie pour les cancers ORL. Parce qu'au niveau ORL, la peau, elle est quand même très fine. Au niveau du sein, on a quand même plus d'épaisseur. Et au niveau ORL, le fait de faire une fibrose, ça peut limiter les mouvements possibles. Ça peut fibroser les glandes salivaires et à assécher. Et donc la salive, c'est ce qui nous sert à parler, c'est ce qui nous sert à humidifier les aliments, à déglutir, etc. Donc les gens qui sont fibreux de cette région-là sont très, très peuvent être très, très handicapés. Et donc on a voulu en priorité tester ça chez les patients traités par radiothérapie ORL qui avaient développé une fibrose pour voir si on pouvait réverser la fibrose. Et donc on a monté ce qu'on appelle un PHRC, un projet hospitalier de recherche clinique, et on a obtenu un financement parce que la pravastatine, c'est un médicament qui coûte trois fois rien, qui est aujourd'hui génériqué, et donc il n'y a aucun laboratoire pharmaceutique qui veut mettre des sous dans un essai thérapeutique puisque ça ne va pas leur apporter grand-chose. Et que la radiothérapie, c'est pas un médicament qu'on prescrit, une machine on l'achète pour 15 ans, et donc du coup, il n'y a pas de laboratoire pharmaceutique qui va payer derrière un essai thérapeutique. Donc la plupart des essais thérapeutiques de radiothérapie, c'est des essais qui sont financés sur des fonds publics, sur par exemple un PHRC, qui est un programme en fait qui est financé par le ministère de la Santé, hein, et par nos impôts à tous. Et donc c'est une compétition qui est extrêmement sélective.
Et parce qu'il y a beaucoup de projets, il n'y a pas malheureusement beaucoup d'argent. Donc du coup, on a eu la chance et la joie d'être sélectionné. Et donc on a pu démarrer cet essai en 2010. L'essai vient de se terminer. On a traité pas mal de patients puisqu'on est à quelque chose comme 120 patients traités pour un cancer ORL qui avait fait une fibrose. Et on n'a pas encore tous les résultats puisqu'il faut suivre tous les patients pendant 2 ans. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que pour certains patients, on arrivait vraiment à réverser la fibrose, pour d'autres, non. Donc on attend d'avoir toutes les statistiques pour savoir si au total, ça réduit la fibrose ou pas. Et surtout, on va identifier chez les patients chez qui ça a marché, chez les patients chez qui ça n'a pas marché, quelles sont les différences pour essayer de comprendre à qui on pourrait donner la pravastatine ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que quand même la pravastatine, ça coûte pas cher, c'est pris par des milliers de gens dans le monde, par des millions de gens dans le monde, et que du coup, si ça peut réverser la fibrose, eh ben, c'est un traitement dont on sait déjà qu'il est peu toxique, il peut donner des crampes, des douleurs musculaires, mais ça disparaît quand on l'arrête, donc ça pourrait vraiment être une option très très intéressante. Il y a un autre protocole de recherche, et promis, c'est le dernier, je crois, dont je parle, qui s'appelle CANTO, auquel probablement certaines d'entre vous participent. Et j'en profite pour remercier tous les gens qui y participent, parce que vraiment, ça a un potentiel à faire changer les pratiques majeures. C'est un projet extrêmement ambitieux. C'est la plus grosse cohorte au monde de cancer du sein traité, de femmes traitées pour un cancer du sein. L'objectif étant initialement de mettre 20 000 patientes. C'est Fabrice André, qui est oncologue médical ici, qui a initié le projet. Et quand il m'en a parlé, je lui ai dit, mais t'es complètement cinglé, on n'y arrivera jamais. 20 000 patientes, tu te rends compte, ça n'a jamais été fait. Et il me dit, non mais on est Gustave aussi, on peut le faire, il faut être ambitieux. Je lui ai dit, écoute, t'as raison, essayons. Et voilà, l'idée, c'est que on a énormément d'effets secondaires des traitements, que ces effets secondaires, ils sont plus ou moins graves. Il y en a qui sont vraiment mineurs, d'autres qui peuvent être majeurs. Heureusement, les majeurs, ils sont assez rares. Mais que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'outils pour prédire qui va faire une toxicité ou pas. Et que tout l'enjeu à l'avenir, c'est de sélectionner les patientes à risque de toxicité et celles qui ont besoin des traitements. C'est pour être plus fin dans la balance bénéfice-risque et dans le choix des traitements. Pour ça, le problème, c'est, ou l'avantage, c'est qu'on est tous différents. Et que pour la même dose reçue d'un traitement, que ce soit la chimio ou les rayons, il y en a qui vont faire la rougeur, pas la rougeur, il y en a qui vont faire la baisse de globules, d'autres qui ne vont pas faire la baisse de globules. La cicatrice, elle va être jolie, elle ne va pas être jolie, elle va être fibreuse, elle ne va pas être fibreuse, elle va être douloureuse, elle ne va pas être douloureuse, on va faire le lymphœdème, on ne va pas faire le lymphœdème. Et donc, il faut identifier quels sont les facteurs qui déclenchent tout ça. Et comme on est tous différents, bah, pour identifier les facteurs, il faut des très grands nombres de patients. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut 20 000 patientes, ou en tout cas au moins 15 000, pour arriver à identifier tout ça. Et donc, l'idée, c'est d'enregistrer les patientes avant qu'on sache quel traitement elles vont avoir, au moment du diagnostic, avant même qu'elles soient opérées, pour qu'il n'y ait aucun biais, qu'on n'influence pas, qu'on ne sélectionne pas les patientes qui ont eu le traitement le plus léger, parce qu'à ce moment-là, elles vont avoir moins de toxicité, ou le traitement le plus lourd, parce qu'à ce moment-là, elles vont avoir plus de toxicité, ou les patientes qui sont plus jeunes ou plus âgées, parce qu'on va avoir un effet plus gros, plus mince, parce qu'on va avoir un effet, etc. Donc, en fait, on inclut les patientes vraiment au moment du diagnostic, et on va les suivre pendant au moins 10 ans. Et on va faire toute une série d'analyses à partir de prises de sang et à partir d'une mine d'or d'informations que sont les questionnaires, à la fois psychosociologiques, de qualité de vie, de toxicité, de type de traitement reçu, etc. Et donc, c'est vrai que c'est des questionnaires assez fastidieux et assez longs. Surtout, l'enjeu, c'est d'arriver à y répondre pendant 10 ans. Et c'est vraiment grâce à ça qu'on arrivera à répondre à toutes ces questions. Donc, effectivement, pour vous donner une idée, le protocole, on y entre en signant un consentement dès le début de la prise en charge. Ensuite, il y a éventuellement la chirurgie, la chimio, la radiothérapie. Et puis, pendant le traitement et après le traitement, on va avoir des visites avec des questionnaires, des prises de sang, et on va pouvoir participer à différentes études. Simplement pour vous, avant de vous montrer ça, simplement pour vous donner une idée de l'ampleur des études, on a pu raccrocher des études qui n'étaient pas prévues au départ, comme par exemple Canto Microbiota. Je ne sais pas si certaines participent. C'est un truc qui a l'air complètement fou comme ça. En fait, il s'agit de récupérer des selles des patientes. On a la chance ici d'avoir des chercheurs assez extraordinaires, et notamment Laurence Zitvogel, qui est une oncologue au départ médicale, puis qui s'est mise à faire de la recherche et qui fait pratiquement plus que de la recherche, qui a découvert que dans nos intestins, on avait des bactéries qui
agissait sur la défense de notre organisme et sur l'activation de l'immunité de notre organisme, et que cette immunité pouvait attaquer les cellules cancéreuses, et que cette immunité, elle pouvait aussi nous aider à mieux supporter les traitements. Et elle arrive à voir dans certaines bactéries qu'on a dans les selles si notre immunité va être stimulée ou pas. Et donc ça paraît complètement fou quand on est traité d'un cancer du sein qu'on vous récupère des selles, mais en fait grâce au volume de patients qu'on a, eh ben, on a pu chez quelques centaines de patientes récupérer des selles pour arriver à identifier si oui ou non on arrive à voir ces bactéries qui peuvent corrélé avec l'immunité. Et si c'est le cas, ben on le fera sur un plus grand nombre de patients, on demandera des selles à d'autres patientes pour arriver à confirmer les résultats. On a fait ça aussi avec des prélèvements de sang sur lesquels on a fait des grandes études de profils d'expression génique pour essayer de corréler la toxicité à ces profils d'expression génique et essayer de mieux comprendre. Donc toute la toxicité, elle est enregistrée au fur et à mesure sur les questionnaires, et c'est grâce aux résultats de ces questionnaires qu'on pourra essayer de corréler aux données biologiques. On a toute une partie quanto RT, donc quanto radiothérapie, où en fait on a réussi à obtenir la création d'une plateforme où on va récupérer tous les dossiers de radiothérapie. Si les physiciens et les dosimétristes transfèrent bien toutes les dosimétries, ce qui demande un travail colossal, parce que vous imaginez pour toutes les patientes transférer le dossier de radiothérapie de tous les centres en France qui participent, pour arriver à justement corréler les différentes techniques aux doses reçues et aux éventuelles toxicités pour affiner le choix de ces techniques en fonction de la morphologie des patientes et des toxicités. Et vous voyez que le projet n'était pas si fou, puisque grâce à vous toutes, eh bien, on arrive à... Ça, c'est la courbe théorique pour atteindre nos 15 000 patientes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est au-dessus de la courbe théorique, c'est-à-dire qu'on a même plus de patientes qui ont accepté de participer que celles qu'on espérait avoir. Donc la réalité est même plus belle que la théorie, ce qui est complètement exceptionnel dans un essai thérapeutique. Ça, ça se voit jamais. C'est la première fois que je vois un essai thérapeutique où on inclut plus de patientes que ce qu'on espérait. Donc c'est vraiment fantastique parce que ça veut dire qu'il y a une vraie adhésion des gens et que l'ensemble patient et soignant s'implique et comprend les enjeux et comment, grâce à ça, on pourra changer les pratiques et améliorer les choses. Donc c'est vrai que comme c'est une cohorte, il n'y a pas de traitement donné spécifique à Canto. Donc c'est peut-être plus facile à accepter que quand on doit se décider, enfin on décide pas entre deux traitements, mais en tout cas c'est vraiment extraordinaire de voir cette adhésion. Et vraiment le message important, c'est de continuer à participer et surtout que ça tienne dans la durée, puisque les infos importantes, c'est vraiment les infos aussi sur le long terme. Donc même si c'est casse-pied de remplir les questionnaires, il faut continuer. Ça se fait avant le traitement, absolument. Une fois qu'on a démarré le traitement, on peut plus rentrer. Donc en conclusion, quel futur pour la, enfin, ou quelle radiothérapie dans le futur ? Il y a une radiothérapie qui va être de plus en plus personnalisée. J'espère que vous avez compris pourquoi, de plus en plus fine, de plus en plus précise, avec de moins en moins de toxicité, et puis une radiothérapie qui va être de moins en moins lourde, c'est-à-dire avec probablement de moins en moins de séances, des doses peut-être un petit peu plus fortes par séance, mais finalement mieux tolérées, des doses qui vont être plus adaptées en fonction des situations. Un temps total de la radiothérapie qui va être plutôt plus rapide, donc 3 semaines versus 5 semaines. Et puis une optimisation de la balistique avec des techniques différentes en fonction de chaque personne. Cette histoire d'inspiration bloquée qu'on appelle aussi le gating. La possibilité de faire du tracking, c'est-à-dire de suivre éventuellement les mouvements des patients, notamment avec le robot CyberKnife là, en cas de métastase. Donc des traitements qui irradient de moins en moins de tissus sains et donc qui apportent de moins en moins de toxicité. Et avec ça, je voudrais vous remercier, en particulier toutes celles qui ont participé à Octobre Rose, parce qu'il faut savoir qu'une grosse partie de notre recherche est financée par des fonds publics, je vous ai parlé des PHRC, mais aussi financée par des dons comme ceux qu'on a lors d'Octobre Rose. On était 37 000 cette année, même s'il ne faisait pas très beau et qu'on avait un petit peu froid. J'espère qu'on sera encore plus l'année prochaine. Et donc, je vous donne rendez-vous en octobre 2018, soit pour courir, soit pour marcher à l'hippodrome de Vincennes. Voilà, et je voulais remercier Christelle et tout le boulot qui est fait par Léry pour apporter toutes les informations. Je pense que ça mérite vraiment un applaudissement. Donc, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à joindre Christelle et Elodie. Vous avez les adresses mail là, sinon directement à Léry, hein, au rez-de-chaussée, et elles nous transmettront toutes vos questions. Voilà, je vous remercie.
Alors c'est vrai que ça c'est important, c'est d'arriver à situer le curseur où et qui solliciter. Parce qu'effectivement, l'oncologue qui est en consultation, bah, il ne va pas forcément être disponible pour répondre à toutes les questions. Et donc on a la chance à l'IGR d'avoir quelque chose d'assez structuré. Donc il y a déjà l'ERI qui est disponible en permanence pour des tas de questions, donc tout ce qui est prise en charge, même après le traitement, etc. Et qui peuvent orienter ensuite vers les bonnes personnes si on a un doute et si on ne sait pas trop s'il faut aller solliciter vraiment l'oncologue ou s'il faut aller solliciter quelqu'un d'autre. On a toute une équipe donc aux psychologies qui est vraiment extraordinaire, qui travaille sur l'IGR mais aussi à l'extérieur et qui a des relais à l'extérieur, notamment pour les gens qui habitent loin, avec tout un système de réseau. Et donc ça, ça fonctionne très très bien pour tout ce qui est angoisse, stress après le traitement, angoisse par rapport à des doutes sur le traitement ou des doutes sur les risques de récidive, des choses comme ça, que ce soit pour le patient ou pour la famille. Ça marche aussi très très bien, par exemple, pour les enfants. On a beaucoup de patientes qui nous disent « Ah bah, mes enfants, ils sont un petit peu inquiets, je sens bien, j'arrive pas bien à aborder les choses, ou alors je sais pas si j'ai été suffisamment claire, etc. » Donc ça vaut pour les conjoints, pour les enfants, pour les patients eux-mêmes. Ça peut être immédiatement après le traitement, comme ça peut être très longtemps après le traitement. Il n'y a pas de durée limite. C'est pas parce que vous n'êtes plus traité à Gustave Roussy que on veut plus vous voir. Donc à la fois les RI restent ouvertes, les oncopsychologues restent disponibles. Si c'est une question médicale, eh ben, y a toujours la possibilité d'appeler le secrétariat d'oncologie médicale, d'oncologie radiothérapie, de chirurgie, et on vous donne un rendez-vous. Et la secrétaire, on a la chance aussi d'avoir une équipe de secrétaires absolument extraordinaires qui ont vraiment une grande expérience et sont capables de vous poser un certain nombre de questions pour savoir le degré d'urgence pour fixer un rendez-vous et pour savoir s'il faut vous orienter votre rendez-vous plutôt vers l'oncologue radiothérapeute, plutôt vers l'oncologue médical, plutôt vers le chirurgien. Voilà, on a vraiment à la fois l'ERI, le secrétariat des différents services qui sont à même d'orienter. Si c'est des questions plus de prise en charge sociale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, pour qui le traitement va chambouler quand même la vie, avec des histoires de reprise du travail à temps partiel, avec des histoires d'aide financière, ou, etc. Pareil, on a un secrétariat de l'équipe sociale, l'assistante sociale, qui est extrêmement efficace. Comme tous nos secrétariats, on est souvent un petit peu submergé d'appels, donc il ne faut pas hésiter à rappeler si jamais ça ne fonctionne pas ou vous n'avez pas l'info. Il ne faut pas hésiter à passer par l'ERI qui nous fait régulièrement des relais. Il ne faut pas hésiter à envoyer un petit mail, voilà, et à réenvoyer un mail si vous n'avez pas de réponse. Hein. Oui. Alors, il n'y a aucune raison... aucune raison systématique de passer une radio ou un scanner après la radiothérapie, puisqu'en fait on a traité en préventif et donc il n'y a rien de spécifique à voir. Donc après la radiothérapie, on va entreprendre une surveillance qui va être une consultation tous les 6 mois et une mammo-écho tous les ans. Et en général, on commence la mammo-écho à peu près 1 an après la mammo initiale ou 6 mois après la radiothérapie. Voilà. Et si jamais on est dans une situation particulière, qu'il y avait une lésion douteuse qu'il faut recontrôler, ben à ce moment-là, il peut y avoir d'autres examens qu'on fait entre-temps. Ah oui, ça vous pouvez, tout à fait normalement, indépendamment des traitements, absolument. Alors, une opération de reconstruction du sein, par exemple ? Non, une opération qui n'a rien à voir. Ah non, il faut simplement, voilà, on recommande que la peau, elle soit pas rouge, que vous ayez un petit peu récupéré, donc au bout d'un mois, c'est sans problème. Et si c'est une opération urgente, on peut même la faire avant. Hein. Bon, ben voilà. À partir de 1 mois après la radiothérapie, vous êtes complètement tranquille. Ah oui, sans problème. Mais de rien, avec plaisir.